Bonsoir à vous tous et bienvenue si vous nous retrouvez en direct sur la République des Pyrénées.fr. Nous sommes cette année au cœur de la ville de Pau, la même d'ailleurs où la République des Pyrénées a consacré depuis deux jours un maximum d'articles. Nous sommes au quartier du Foirail. C'est là que nous allons nous retrouver pour cette nouvelle édition des Béarnais de l'année qui va démarrer dans quelques instants. Installez-vous, fichez-vous, bien si vous êtes déjà dans la salle du Foirail, je vous souhaite une très très belle soirée. Ce soir, nous allons mettre à l'honneur celles et ceux qui ont fait l'actualité en 2022. Et pour démarrer cette soirée, nous voulons être ici parce que l'histoire de la place du Foirail trouve ses origines dans les grands aménagements palois de la fin du 19e siècle. Créé à l'origine pour accueillir un marché au bétail, c'est alors un territoire rural pour l'essentiel composé de champs desservis par une unique voie, la voie qui deviendra la voie Cardot qui à l'époque s'appelait la rue des cultivateurs. Chaque semaine, alors, paysans et maquignons venaient négocier ici même vaches, porcs, poulets, lapins. Vaches, tenez justement, regardez quels sont les premiers invités de cette nouvelle édition des Béarnais de l'année. Elles ont défilé pour représenter le Béarn sur les Champs-Élysées, excusez du peu, au printemps dernier. Ce sont deux vaches béarnaises. C'est Pierre Nabos qui en prend soin tout le long de l'année et Pierre à Paris avec les deux superbes vaches béarnaises qui sont en effet de formidables ambassadeurs pour ce territoire, de formidables ambassadeurs du Béarn, comme le rappellera d'ailleurs tout à l'heure Jacques Pédéontin, ainsi que tous les membres du réseau des ambassadeurs qui vont remettre un des prix de cette soirée. Elles ont fait l'actualité cette année. Vous pourrez d'ailleurs choisir cet événement, comme d'ailleurs cet autre événement, en choisissant votre événement coup de cœur tout à l'heure, afin de gagner de très nombreux cadeaux. Mais on voulait symboliquement ouvrir cette soirée à l'extérieur ici, avec ces deux vaches béarnaises, parce que c'est encore une fois ces deux vaches qui sont sur l'emblème du drapeau du Béarn que l'on aime tant, et elles auraient pu concourir dans la catégorie, vous auriez pu voter pour ces deux héroïnes de l'année, elles ont remonté l'échange, je remercie Pierre, alors un, de nous les avoir amenées ici au Foirail, et deux, d'avoir relevé le défi avec quelques 2022 autres animaux pour être présents sur les Champs-Élysées au mois de mars dernier. Bravo, en tout cas, félicitations, vous êtes un très beau visage à la fois de l'agriculture sur ce territoire, et puis au-delà d'ailleurs de ce territoire tout entier. Pour ouvrir cette soirée, je vais céder sans plus tarder la place à ceux qui ont inauguré ce Foirail, nouvelle formule, avec l'ensemble d'ailleurs du Méliès, l'ensemble des salles de spectacle qui le composent. C'est eux qui ont accueilli le président de la République Emmanuel Macron le 30 septembre dernier, alors qu'il venait inaugurer ce pôle culturel du Foirail où nous nous trouvons. Ce sont les Caminots, ils sont sur la scène de la salle principale du Foirail. Vous les applaudissez, bonne soirée, ce sont les Béarnais de l'année qui démarrent maintenant.
Vous applaudissez plus fort que ça, s'il vous plaît, la banda des Caminos. Bonsoir, chers amis. Et bonsoir, les Caminos. Alors là, c'est la partie banda fanfare des Caminos. Vous savez que cette école de musique pour jeunes, encadrée par l'orchestre de Pau, avec le savoir-faire des musiciens de l'orchestre de Pau, à la baguette, notre ami Faisal Karoui, qui n'est pas présent ce soir parmi nous, mais qui nous regarde de loin, il est à quelques kilomètres d'ici, a accueilli, je le disais tout à l'heure, en pré-générique tout à l'heure, le président de la République. Regardez, c'était lorsqu'il est venu inaugurer cette salle du Foiré que nous nous trouvons pour cette nouvelle édition des Béarnais de l'année. Ce sont des formidables ambassadeurs de ce territoire. Ils ont donc toute leur place ici même. Ils ont fait l'actualité de l'année. J'aimerais que vous applaudissiez plus fort que ça, s'il vous plaît. C'était un bon moment, vous étiez moins nombreux, hein. Faut dire que c'était le matin, très tôt. Là, merci d'être venu. Je dis merci également à l'encadrement, vos parents d'abord, mais également à l'encadrement, parce que je sais que vous avez travaillé tout aujourd'hui, vous avez une très longue journée, vous avez tenu votre parole. On parlera tout à l'heure de ce très beau projet des Caminos, lorsque nous évoquerons les 20 ans de l'Orchestre de Pau, un des événements marquants de cette année, de l'année à venir, en compagnie du directeur de l'Orchestre de Pau, Fred Morando, qui est parmi nous. Mais pour toute l'équipe des Caminos, j'aimerais de plus forts applaudissements, encore une fois. Merci. Allez, c'est reparti! Applaudissements, s'il vous plaît. Grand jeu, les amis. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse regagner les coulisses. Merci. Chers amis, une question. Qui succédera à Émeline Pierre et à Ahmed Andalousi, élu l'an dernier Béarnais de l'année en 2021? Nous étions ce jour-là, pratiquement il y a un an, jour pour jour, sur la scène du Zénith de Pau. C'est vous qui avez décidé dans chacune des 7 catégories des noms des 3 finalistes qui ont été proposés au jury pour le choix final qui a eu lieu mardi dernier. Vous n'aviez en réalité que l'embarras du choix parmi les 56 présélectionnés par les journalistes de La République et de L'Éclair qui organisent cette soirée à partir des événements qui ont marqué l'année, ou tout simplement de rencontres qui les ont touchés. Une nouvelle illustration de la multiplicité des talents dans Regorge Béarn, avec des jeunes gens qui se préparent à un avenir doré, on l'espère, avec des bénévoles généreux, solidaires, avec des personnalités également engagées dans de très nobles combats, commencés par celui du développement durable, de brillants sportifs également, des professionnels créatifs ou performants, souvent les deux d'ailleurs, et puis d'autres qui font rayonner le territoire partout et bien au-delà de nos frontières. C'est à partir des 7 catégories qui ont rythmé ces dernières semaines, les colonnes du journal, mais également les pages de la République des Pyrénées.fr, que vous avez décerné le prix de la ou du Béarnais de l'année. Qui sera donc ce soir élu? Ce que nous saurons tout à l'heure, après quelques
180 minutes, voire un peu plus, que nous avons passé ensemble dans cette toute nouvelle salle du Foirail. Pour ouvrir cette soirée, je vous demande d'accueillir celui qui dirige, Pyrénées Presse, Christophe Galichon, qui nous rejoint et que vous applaudissez, s'il vous plaît. Venez, mon cher Christophe. Bonsoir à tous. Je vous attendais d'un côté, vous voici de l'autre. Quatrième édition. C'est très impressionnant, hein, vous êtes très nombreux ce soir. Oui, ça le comble, ça le comble. Et puis, il y a ceux qui nous suivent à distance, parce que cette salle est un petit peu moins de monde, évidemment moins de place que le Zénith que nous occupions jusqu'à présent. Ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que pour ceux qui sont des fidèles de cette soirée, il y a eu une année où nous étions sans public, 100% digital, et pourtant, elle a été suivie cette soirée. Je devine. Oui, exactement. Elle a été suivie cette soirée par plus de 20 000 personnes. Donc là, nous avons le même dispositif qui va permettre à chacune et à chacun, non seulement d'être en présentiel, mais également en distanciel. Pourquoi la République des Pyrénées met en avant ces hommes, ces femmes parfois anonymes qui font le Béarn ? Alors, bonsoir à tous. Merci à tous d'être là ce soir. On est très, très heureux à la REP de pouvoir vous accueillir avec nos partenaires qui nous aident à monter cet événement. Cet événement, d'abord, c'est un plaisir pour l'ensemble de nos équipes de Pyrénées Presse, de la REP et de l'Éclair, parce que réunir nos lecteurs, être au cœur de la communauté locale et fêter les talents qu'on va découvrir ce soir, c'est un petit peu notre rôle. On dit souvent qu'on est un réseau social, et on est même historiquement le premier réseau social depuis des décennies. Et aujourd'hui, ce réseau social, il vit à travers tous nos supports, le papier, le digital, la REP TV maintenant, et ce qu'on va voir ce soir, c'est finalement tout ce que nous, en tant que journalistes, on a la chance de découvrir au quotidien, notre travail de l'information. On a près de 40 journalistes professionnels à Pyrénées Presse, nous avons 300 correspondants locaux partout en Béarn et en Soule. Leur travail, c'est d'aller faire de l'information au quotidien, au plus près du territoire, et leur travail, c'est de rencontrer des centaines de personnes chaque jour pour raconter des centaines d'histoires. Et parmi ces centaines de personnes, il y a vraiment à la fois des histoires difficiles parfois, mais il y a aussi beaucoup de rencontres exceptionnelles, des gens inspirants, remarquables, pas forcément très connus, mais dont on aime raconter les histoires. Ce soir, tous les lauréats font partie de ces rencontres exceptionnelles qu'on peut tisser au long de l'année. Voilà. Alors nous allons remettre les prix tout le long de cette soirée. Il y aura également des invités surprises qui vont venir nous rejoindre, parce que cette soirée, c'est une véritable fête, une fête offerte aux lecteurs, une fête qui a démarré d'ailleurs il y a déjà pas mal de semaines, je le disais, avec des vidéos qui ont été extrêmement suivies, ce qui montre que l'on s'attache à ces héros du quotidien, qu'ils soient anonymes, qu'ils fassent partie d'une association, qu'ils soient des sportifs émérites. On recevra la section paloise tout à l'heure à l'occasion du 120e anniversaire de ce club phare, évidemment, de ce territoire. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a une communauté. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On est, nous, la REP, à notre petit niveau, on est acteurs de cette communauté. Cette communauté-là, c'est une pulsation quotidienne qui passe à travers nos supports. Effectivement, on est extrêmement impliqués pour faire en sorte de la faire vivre. Et au-delà du quotidien, j'aime bien dire, et je le dis, c'est pas simplement des paroles, fondamentalement, je pense que les médias locaux ont un rôle qui est extrêmement important et qu'il faut soutenir, et merci à tous de votre soutien ce soir notamment, qu'il faut soutenir parce que notre démocratie, on le sait, est fragile. Les médias locaux, s'il n'y avait plus de médias locaux et s'il n'y avait plus que les réseaux sociaux, en l'occurrence, les vrais réseaux sociaux, je pense qu'on ne serait pas dans la situation de grande qualité que l'on a aujourd'hui. Nos médias locaux jouent un rôle pour la démocratie et pour, je pense, faire vivre la citoyenneté. Et encore une fois, nos médias locaux permettent aussi de valoriser, de mettre en lumière les talents qu'on va voir ce soir. C'est un rôle qui est extrêmement important, je pense, dans la société dans laquelle on vit. Ce rôle, dorénavant, vous l'exercez avec le pouvoir du papier, avec le pouvoir de l'image. Quand il y a de l'électricité, d'ailleurs, c'est vachement mieux. Vous l'exercez avec une partie télévision, dorénavant. Ce programme, d'ailleurs, fait partie de la grande grille des programmes de Pyrénées Presse. C'est important d'être présent partout pour s'adresser aux gens. Oui, absolument. On continue évidemment à beaucoup travailler le papier, la qualité de notre quotidien, la REP et l'Éclair. C'est pour nous extrêmement important. C'est un peu, je dis souvent, c'est le tapis rouge de la marque, le papier. Et donc, c'est exactement ça. Donc, on va continuer à beaucoup travailler sur le papier, mais évidemment, les usages se déplacent et aujourd'hui sont fortement, évidemment, sur le digital. On est tous avec nos smartphones
et donc on consulte beaucoup de contenu à travers évidemment les supports mobiles. Donc on est très présent évidemment sur les supports web numériques, on est très présent également sur les réseaux sociaux. On a créé effectivement il y a 18 mois maintenant, même pas 18 mois, la REP TV. Donc venez à Pyrénées Presse, ici à quelques centaines de mètres, vous verrez notre studio vidéo, etc. Tout ça c'est extrêmement important pour nous et je pense que nos audiences qui sont très importantes, localement mais également au-delà des frontières du Béarn, nous permettent de penser qu'on continue à tracer notre bonhomme de chemin avec beaucoup en tout cas d'engagement, d'enthousiasme au sein des équipes. En tout cas, les vidéos de présentation des candidats, vous-même d'ailleurs, dans les différentes catégories, les 56 ont été vues par plus de 300 000 personnes. Les quotidiennes ont également été extrêmement suivies dans la dernière semaine. Vous avez voté à plus de 11 000, pratiquement 12 000 personnes pour élire vos Béarnais de l'année. Tout cela a été consigné lorsque cela a été proposé au jury de partenaires qui s'est réuni il y a quelques jours maintenant. Consigné par qui ? Par maître Émilie Fournier, huissier de justice, qui va me rejoindre ici, que vous allez applaudir, puisque c'est elle qui a en main les enveloppes des lauréats de cette soirée. Vous applaudissez Émilie Fournier, s'il vous plaît. Venez jusqu'à moi, chère Émilie. Que je vous pose à sempiternelle question que l'on pose à tout huissier de justice, est-ce évidemment. Ça s'est bien passé. Exactement. Très mal. Ça s'est très mal passé. Le jury s'est très mal. Ils se sont mal comportés, on imagine bien ça. Il a fallu évidemment parfois beaucoup délibérer. Vous avez été nombreux à faire un très beau palmarès. On doit vous le dire d'ailleurs. Alors parfois le jury a suivi l'ordre des votes dans les catégories. Parfois il s'en est légèrement séparé. Quoi qu'il en soit, c'est ceux qui ont reçu le plus de votes concours pour la catégorie du Béarnais de l'année. Ça veut donc dire que si votre nom ne figure pas dans les 7 premières enveloppes de la soirée, les 7 catégories, c'est plutôt bon signe, je le dis au lauréat, je le dis au finaliste, parce que ça veut dire que potentiellement... Il peut figurer dans la dernière enveloppe. La toute dernière enveloppe, celle du Béarnais de l'année. Vous allez me remettre toutes ces petites enveloppes. Merci beaucoup. Voilà. Il y en a huit. Les huit lauréats. Les huit lauréats. On va commencer par découvrir sans plus tarder maintenant les premiers lauréats dans la première catégorie, les créatifs. C'est une catégorie qui est parrainée par la Fibre 64. Ensuite, nous déroulerons tout le long de la soirée l'ensemble des surprises qui vont composer celle-ci. Sachant que je vous le dis d'ores et déjà, vous êtes fan des années 80, Émilie Fournier ? Oui. Si je vous dis Macumba. Vous le savez. Oui, je le sais, bien sûr, mais je vous repose quand même la question. Oui. Zouk Machine. Oui. Ils sont tous là. D'accord. Enfin, tous. D'accord. Pas tous ceux qui seront sur la scène du Zénith le 17 mars. Jean-Pierre Madère. Et Jean-Pierre Madère est là également. Ça sera tout à l'heure pour le concert de clôture de cette soirée. Je vais vous laisser regagner la salle. Je vais demander à Nicolas Patriarche de me rejoindre, puisqu'il préside la Fibre 64. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Venez, mon cher Nicolas, prenez place ici même avec ce micro. Ce micro-ci, je vais laisser à mon équipe, après la période de sobriété énergétique que nous avons eue en début de soirée, le soin de remettre les différents écrans pour nous permettre de suivre cette soirée. Une fois de plus, la Fibre 64 est au rendez-vous. Ça va s'afficher juste derrière moi. Et une fois de plus, vous parrainez cette catégorie des créatifs. Pourquoi c'est si important de faire le lien entre les tuyaux qui permettent de diffuser les usages et puis ceux qui, quelque part, les animent? Mais parce que c'est le plus important. Il faut bien sûr avoir les tuyaux pour pouvoir développer la panoplie des services numériques. Et puis après, il faut avoir les personnes qui créent, qui innovent. Et donc, ça nous paraît tout simplement naturel de parrainer cette catégorie des créatifs. Alors, cette Fibre 64, elle se déploie sur l'ensemble de ce département, dans toutes les zones d'ailleurs, celles qui sont les plus habitées, mais également celles où il y a le moins d'habitants. C'est l'énorme pari lancé par le département il y a quelques années. Vous savez qu'il ne se passe pas une fois où nous nous voyons, vous et moi, sans que je vous pose cette sempiternelle question qui habite tout le monde. Où en sommes-nous ? Ben oui, parce que pour Maître Fournier, c'est la même question. Est-ce que ça s'est bien passé ? Et vous, où en êtes-vous du déploiement ? Eh ben, le chantier avance avec les vicissitudes de ce genre de défis techniques et technologiques. Mais nous allons finir l'année 2022 à plus de 165 000 prises déployées sur les 226 000 prises sur l'ensemble du département. On a franchi le cap des 50 000 abonnés et tout récemment, un quatrième opérateur. Je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub. En tout cas, si vous citez les trois autres, vous pouvez y aller. Bon, alors aujourd'hui, ce réseau compte les quatre grands intervenants du secteur, Free, SFR, Orange et Bouygues depuis quelques jours. Ça montre donc en effet l'intérêt qu'il y a
qui est porté en tout cas sur ce territoire, l'intérêt également pour faire ressortir encore une fois les talents qui animent ce territoire. Je vous propose de découvrir sans plus tarder, avant que vous ne découvriez le nom du lauréat, qui était finaliste dans cette catégorie des créatifs de l'année. Allons-y, images. Alors, était nommé dans cette catégorie des créatifs de l'année. Chemec, un talent bernais de l'e-sport. On est bien dans le domaine. J'aimerais qu'on diffuse la vidéo, s'il vous plaît, de ces finalistes. Ensuite, nous avons nommé Florence Pajardias. Vous pouvez les applaudir les uns les autres, car l'histoire au bout des doigts du côté du château de Pau. Hélène Larbeg, l'ami des fées. Laine et Mélie Mello, qui font des tatouages, qui réparent, y compris les personnes qui y souffrent de maladies ô combien difficiles. Laurent Galinon, qui a la tête dans le guidon avec ses bio ô combien intéressantes, nommé dans cette catégorie également des créatifs Mathilde Delamotte, fondue de culture béarnaise, Romain Chalon, le nouveau roi des soirées festives paloises au Durango et ailleurs, ainsi que le barbier Thierry Bordeneuve qui cette année a commis également un bouquin tout à fait intéressant. Vous les applaudissez, ces 8 finalistes s'il vous plaît. C'est la bonne enveloppe. C'est la bonne enveloppe. Nous allons, alors, avant de donner le nom, nous allons donner 2-3 principes. Une lumière va s'éclairer sur un côté de la salle. C'est là que vous allez rejoindre l'équipe d'organisation si vous faites partie. Si vous êtes l'heureuse ou l'heureux élu, vous nous rejoindrez après en descendant le tapis rouge en quelques minutes. Mais pour l'heure, vous voyez la sémillante chemise blanche d'Éric Belli qui est ici même. C'est lui qui a mis en place cette soirée, qui a coordonné cette soirée avec l'ensemble de la rédaction de Pyrénées Presse. C'est lui qui va vous accompagner en coulisses. Si votre nom maintenant est énoncé, le lauréat est... Laine et Mélie Mello. Laine et Mélie Mello, vous applaudissez s'il vous plaît. Ces deux personnes remarquables pour qui le tatouage est une seconde peau, une seconde nature. Et elles vont nous rejoindre sur scène dans quelques minutes pour recevoir leur prix. Venez rejoindre Eric pour l'instant. Et il en sera de même pour l'ensemble des lauréats de cette soirée. Vous restez avec moi, mon cher Nicolas Patriarche. On va remonter le temps maintenant en accueillant quelqu'un qui a rythmé nos soirées. J'aimerais juste avant vous dire que, en deuxième position d'ailleurs, on va voir leur visage apparaître à l'écran. Ce sont, deuxième et troisième position, ce sont Mathilde Delamotte, fondue de culture béarnaise, et Romain Chalon, le nouveau roi des soirées festives paloises, qui avait retenu un maximum de suffrages. Vous pouvez les applaudir également tous les deux, s'il vous plaît. Quant aux autres, soyez patients, c'est peut-être vous qui êtes la béarnaise ou le béarnais de l'année. Voici quelqu'un qui est programmé très souvent par Romain Chalon du côté du Durango de ses soirées. Et pour cause, il a marqué les années 80 avec des succès que l'on a tous en tête. Vous applaudissez Jean-Pierre Madère, s'il vous plaît, qui nous rejoint. Où est-ce qu'il est, notre ami Jean-Pierre Madère? Il n'est pas très... Le voici, mesdames et messieurs, sur le tapis rouge. Vous applaudissez Jean-Pierre Madère. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jean-Pierre, de Toulouse à Pau, il n'y a qu'un pas. Ou presque, quelques kilomètres, quelques Merci, kilomètres. Oui, c'est, oui. C'est depuis Toulouse que, au début des années 80, vous avez commis les plus grands succès que l'on connaît. Avec des copains, oui, avec toute une bande. Voilà, on était une ville qui avait envie de s'entendre à la radio et on a remis Toulouse sur la carte musicale. Absolument. Avec la bénédiction de Claude Nougaro et de tout ce studio Condorcet. Et voilà, avec Émile et Images, avec les Gold, voilà, avec Armengo, avec Pauline Esther. Et puis des années après, avec beaucoup de vos collègues des années 80, ceux que vous avez cités, et puis beaucoup d'autres, vous êtes rassemblés pour une tournée qui est devenue un véritable phénomène, y compris cinématographique, qui revient, qui se renouvelle sans cesse. Que vous arrivez non seulement à remplir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois les Zéniths, le Stade de France, mais... Oui, on l'a fait trois fois, le Stade de France. Mais c'est une aventure humaine. C'est ça. C'est-à-dire que séparément, ça ne serait pas terrible, mais ensemble... On est vraiment très très fort et c'est une leçon de vie. Ça a été vraiment un moment, en tout cas dans ma vie, qui a été important de me retrouver à plus de 50 ans, faire ce que j'aimais avec des amis et repartir sur la route. Et vous allez revenir faire étape ici à Pau. Absolument. Ça sera le 17 mars prochain. Le 17 mars, je vous invite vraiment à venir nous voir s'il y en a qui ne sont pas encore venus voir ce show. Parce qu'on chante, on danse et on sera parmi vous. Voilà, merci beaucoup. Au fur et à mesure du temps, vous avez réussi à faire quelque chose d'incroyable, qui est le contraire de la chanson que vous allez nous interpréter maintenant. Vous avez réussi à ne pas disparaître. La première fois que je me suis entendu à la radio, j'étais avec un copain à Toulouse, on était autour du Jardin des Plantes, et c'était Radio Monte Carlo, il venait de passer Jeanne Masse, et je lui disais, tiens, pourvu que ça serait bien que je passe après, comme ça, dans un fantasme total, dans une quatrelle pourrie. Et le titre juste qui passait, c'était « Disparu ». Disparu, Jean-Pierre Manner. Merci beaucoup. Allez, on tape des mains, tout le monde. Allez.
mère qui meurt dans le port me rappelle la chanson que tu chantais hier encore au soupir des bandoneons. Allez, j'aimerais voir toutes les mains se lever, tout le monde. Je t'ai attendu des heures à l'ombre des arcades en écoutant les clameurs du match de foot dans le vieux stade. Je t'ai cherché dans les rues, dans les cafés, même tes amis n'ont pas su me renseigner. Tes voisins t'ont vu partir avec deux hommes qui t'ont poussé sans rien dire dans une Ford Falcon. 10. Yes, tu as 10. Est-ce que vous êtes toujours là? Yes. Hey. Comme un enfant fasciné par ses propres blessures, je ne veux pas oublier la douleur de cette aventure. J'ai questionné tout le monde autour de moi, même réponse à chaque fois. Je n'arrive plus à dormir dès que l'on sort. J'ai peur de voir revenir les hommes en Ford Falcon. 10 paru, tu as 10 paru. Oh, 10 paru, au coin de ta rue. Je t'ai jamais revu. Est-ce que vous êtes prêts? Tout à l'heure. Ouais, je reviendrai tout à l'heure avec une amie. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre Madère. Alors, chers amis, vous avez entendu qui étaient les premiers lauréats dans cette catégorie des créatifs. Mon cher Nicolas Patriarche, venez ici. On va accueillir ces lauréats en compagnie d'Éric Belli de la rédaction de Pyrénées Presse. Vous applaudissez Laine et Mélie Mello, qui sont donc les créatifs de l'année. Vous les applaudissez. Ah, vous avez droit au tapis rouge, hein? Ah ben attends. Venez, venez au centre. La scène est à vous. Avant de remettre le trophée, qui est une tout à fait personnalisée aux couleurs, évidemment, du partenaire La Fibre 64, Éric, on a envie d'en savoir plus sur la façon dont... Une partie du binôme que l'on élu, une partie du binôme. La grande question, avons-nous Laine ou Mélie Mello? Mélie Mello. C'est-à-dire, vous êtes Mélie et Mello. C'est ça. C'est ça, en fait, c'est ça l'astuce. Vous êtes tatoueuse? Ça, vous avez perdu tout le monde déjà, ça y est. Il faut raconter l'histoire, il faut raconter l'histoire. Voilà, racontez-nous un petit peu l'aventure de Sœur d'encre. Comment vous êtes amenée à adhérer à cette association? Alors en fait, Sœur d'encre, c'est une association dans laquelle toutes les tatoueuses de France peuvent
postulé pour intégrer l'association. Et après, notre engagement, en fait, c'est de faire un tatou ou deux tatous par an lors de Octobre Rose pour une femme qui a eu un cancer du sein. Donc voilà, du coup, Len s'est engagée en même temps que moi, par hasard. En fait, on a eu toutes les deux l'envie, en fait, de participer à cette aventure, en fait. Parce que voilà, pour nous, et pour moi en particulier, le tatouage, c'est aussi travailler sur l'humain et aider les personnes à se reconstruire. Il y a une grande part d'échange avant un tatouage. Et en fait, là, bah, du coup, c'est une action qui est bénévole une fois par an. Et c'est un peu une évidence quand on est une femme aussi de pouvoir aider une femme qui n'a pas forcément les moyens aussi de pouvoir se payer un tatouage de cet ordre-là. Donc c'est vraiment bénévole et c'est le cœur de cette association au niveau national, c'est ça, c'est de en fait d'intégrer des tatoueuses de toute la France et de faire cette action pendant le mois d'octobre. Et quel rôle joue le tatouage dans la dimension résiliente de la personne qui vient d'être opérée? Alors en fait déjà, les personnes qui ont eu des cancers du sein, elles font déjà un travail psychologique et pour être prêtes vraiment à se faire tatouer, pour elles c'est un vrai cap. Et en fait, du coup, elles font leur demande à l'association et l'association en fait va déjà filtrer aussi pour voir si elles peuvent se faire tatouer au niveau médical. Et après, elles répartissent en fait les demandes à des tatoueuses dans toute la France. D'accord. Et après, on se retrouve en octobre pour faire ce tatouage-là. Après, nous, on accepte donc la demande et on va vraiment être en échange avec la femme. Gros travail de préparation. Voilà, et on va vraiment travailler le projet avec elles. Et elles vont valider aussi le dessin, la création. Il faut que ça leur plaise. Et après, voilà, c'est un vrai bonheur parce que finalement, elles sont complètement transformées. Et c'est un vrai... Il y a un avant-après, quoi. Vraiment, il y a le avant, le tatouage, et après. Et elles se sentent beaucoup mieux dans leur peau, beaucoup mieux dans leur corps. Parce que c'est vraiment une page qui se tourne, et c'est la page de la maladie qui se ferme, en fait, vraiment, quoi. Ça donne un sens incroyable au tatouage et à votre art. Tout à fait, bravo. Ouais. Merci. On va les applaudir, s'il vous plaît, très fort. Les créatifs de l'année, mon cher Nicolas Patriarche, au nom de la Fibre 64. On vous laisse remettre ce trophée, cette une. Je vous laisse le montrer à l'image. Regardez, les caméras sont juste en face. Voici donc cette une personnalisée pour les sœurs d'encre récompensées. Vous repartirez également avec un béret collector pour cette soirée, signé de cette soirée des Bernets de l'année. Vous les applaudissez très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Nicolas Patriarche, merci Eric, à tout à l'heure. Je conserve juste un micro ou deux parce que mon cher Eric, on va recevoir ici sur scène, je vous laisse aller juste à côté pour la suite des interviews, on va recevoir maintenant des gens qui ont l'habitude de ce qu'est le coup de béret puisque à chaque fin de match au Hameau, il y a un coup de béret qui est remis aux joueurs du match. On va fêter les 120 ans de la section paloise, ce 120e anniversaire d'un club phare que l'on aime tant ici sur ce territoire. Il a été marqué en particulier par la réalisation d'un ouvrage signé par les journalistes de Pyrénées Presse pour nous parler de cet ouvrage, mais au-delà d'ailleurs des 120 ans du club. Le président Bernard Pandeau va nous rejoindre, accompagné de celui qui préside l'association section paloise Omnisport, ancien joueur 6 l'année, Christian Loustodine. Bernard Pandeau, vous les applaudissez, nous rejoignent, s'il vous plaît. Vincent Martinelli, qui dirige le service de sport de Pyrénées Presse et qui a commis cet ouvrage, venez mon cher Bernard. Va nous rejoindre également ici sur scène, accompagné, je ne sais pas s'il est resté parmi nous, de l'Ekima Tajita Jivalu, qui a été, ma foi, présent pour signer des autographes de ce bouquin qui s'arrache, mon cher Bernard. Oui, tout à fait, l'Ekima était là, il est en convalescence, disons, il doit être par là. Il doit être par là, Vincent est arrivé, je le remercie. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir de vous recevoir. On va voir quelques images de cet ouvrage pendant qu'on va converser ensemble. C'est un ouvrage qui est une très belle idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année. Il faut quand même se le dire. Tout à fait. On essaiera de le vendre très bien tout à l'heure, j'espère. Je vous reconnais bien là, mon cher Bernard. C'est vrai, merci, je te remercie. Non, mais les deux pieds sur terre, c'est ce qu'il faut d'ailleurs pour diriger un club. Comment ça s'est passé aujourd'hui?
Aujourd'hui ? Au niveau sportif. Eh bien, ça s'est parfaitement bien passé parce qu'on a suivi ça de loin. J'ai vu Vincent qui, lui, le suivait sur le téléphone tout en signant. Il peut faire deux choses à la fois, lui. Moi, je n'ai pas pu le voir, donc je vais le voir tout à l'heure. Je l'ai enregistré, mais c'est une victoire à Newport avec un groupe très, très jeune, hein, très remanié. Donc, merci pour eux. Merci pour eux. On peut les applaudir. Et tant mieux parce que ça dénote un état d'esprit, que ce soit chez les jeunes, chez les plus anciens. Il y a un bel état d'esprit cette année. C'est une année où ça serait sympa d'avoir des résultats, je dirais, probants en récompense parce qu'il y a un état d'esprit extraordinaire en ce moment au club. Voilà. Alors, justement, cet état d'esprit, il reflète également, comment dire, Vincent, des évolutions qui ont eu lieu au fil de l'histoire. Vous êtes penché sur cette histoire qui n'est pas une histoire, on peut se le dire, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas à vous, messieurs les présidents, que je vais dire ça. C'est pas un long fleuve tranquille, la section paloise, mais c'est ce qui fait également qu'on est tant attaché à ce club. Bien sûr, je crois qu'on est au pays du Gave, donc un long fleuve tranquille, de toute façon, on ne connaît pas ici. Oui, c'était, comme vous le disiez, Eric, extrêmement enrichissant de se plonger dans toutes les grands moments de ce club et aussi de parler des personnes qui l'ont fait, les pères fondateurs, les héritiers, les présents, voilà, les présidents. Et juste un petit mot, je voulais remercier aussi ceux qui l'ont écrit en ma compagnie. Parce que vous étiez une bonne équipe, vous aussi. Exactement, on ne fait rien sans une bonne équipe. Il y avait Grégory Letor et Jérôme Carrère qui ne pouvaient pas être là ce soir et je tenais à les remercier aussi. Et on peut les applaudir d'ailleurs parce que c'est vraiment un ouvrage très sympa, on apprend beaucoup de choses. Non, et puis il faut remercier Vincent, Grégory et Jérôme parce que bon, ils l'ont fait aussi avec énormément de tact, énormément de sentiments aussi, je trouve, énormément d'affect. Il y a de l'affect dans ce livre, il y a des témoignages, il est très facile à lire, hein, c'est pas, voilà, mais il y a l'essentiel, des très belles photos, mais au-delà de ça, il y a des témoignages qui sont, ça tu pourras peut-être le dire, qui sont quand même très poignants. Voilà, et ça qualifie ce que c'est qu'un club avec toute son histoire, et même par rapport à des étrangers, c'est une préface d'un grand joueur, double champion du monde qui est Conrad Smith. Je pense que ces mots sont... achetez-le rien que pour lui, parce que je veux dire, ces mots sont extraordinaires. Enfin, personnellement, voilà, il y a un moment d'affect important. Voilà, je voulais le dire. C'est important de le dire, Christian, parce que cette histoire, qui est une histoire ancrée, encore une fois, hein, dans le Béarn, c'est beaucoup plus large que la ville de Pau, hein, dans le Béarn, elle s'écrit avant tout avec des hommes et des femmes, d'ailleurs, si on parle de l'encadrement, si on parle de tout ce qu'il y a autour, si on parle maintenant sportivement, d'ailleurs, hein, avec ce que vous vivez désormais aujourd'hui, ça, c'est avec des hommes et des femmes qui ont mis beaucoup, non seulement de leur énergie sur le terrain, mais de leur cœur, pour que ce club soit ce qu'il est aujourd'hui. De quelle façon, quel qualificatif qui, selon vous, correspond le mieux à la section paloise ? Le qualificatif, pour moi, pardon, je pense que c'est la famille. C'est tout simplement la famille. C'est 2500 personnes aujourd'hui. C'est 12 disciplines. Le rugby féminin vient de nous rejoindre. Voilà. Je crois que c'est cet esprit de famille qu'il faut retenir et qui fait notre force. Voilà. Alors, comme dans toutes les familles, hein, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Voilà. Donc, vous le dites politiquement 120, très bien. 120, voilà, 120 ans d'histoire, et c'est raconté dans ce magnifique livre. Et on est très fiers d'avoir participé. Hein, parce qu'effectivement, la section paloise, aujourd'hui, dans la ville, c'est très important, c'est une marque. Voilà. Vincent, le temps fort préféré pour vous, celui qui correspond le mieux à ce qu'est l'image de la section, c'est l'un des trois boucliers Brennus remportés en 28, 46, 64. C'est la large victoire de la section remportée en 98 face au Portugal en bouclier européen, 68-0. C'est le record, hein, d'ailleurs, des quarts de points. Jetez Toulouse l'année suivante, dans l'autre sens. C'est quoi le moment fort pour vous, s'il n'y en avait qu'un ? Moi, c'est pas un moment fort, c'est plus une image que renvoie ce club, et c'est la fierté surtout. La fierté de ceux qui font le club, la fierté de ceux qui l'aiment au quotidien, parce que je vous assure que dès qu'on dit quelque chose qui ne plaît pas, on ne se prive pas de nous le dire. Donc il y a beaucoup de fierté, beaucoup d'attachement à ce club, et l'exemple que donnait Bernard de Conrad Smith est très parlant, parce que lui, aux antipodes, il le ressent aussi. Il a été pris, il a été mordu. C'est tout ça, moi, qui m'a surtout frappé. Bernard, un événement parmi tant d'autres. Ouais, il y en a beaucoup, tu sais. Un événement, c'est l'événement qui se prépare. Hein. Tu sais, quand ce qu'on a dans le dos, on l'a dans le dos. Moi, ce que je regarde, c'est la semaine prochaine.
Donc ce soir c'est le Béarn et c'est la famille béarnaise. On va recevoir la famille basque. Bon voilà, nos relations sont tendues parfois. Mais je ne veux pas démarrer le match avant de l'avoir joué, mais on a un beau match à jouer samedi prochain. Voilà. Un derby donc qui devrait faire là-dessus. Stade oui, mais je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit. C'est vrai, ce mot de fierté. Après, le titre est bien trouvé. Le mot de passion est quand même assez fort. Et il dénote en fait tout ce que dénote la passion. Mais au-delà de ça, la fierté, c'est vrai, c'est un dominateur commun. Et quand je faisais référence à l'état d'esprit, parfois on le perd, c'est vrai. Parfois on le perd, parfois on s'égare. Mais d'une manière générale, par rapport... Je trouve que dans ce groupe, il est professionnel. La section, c'est 109 personnes. Mais au-delà de ça, ce groupe professionnel, quand même, quand on va à la guerre ensemble, parce que c'est ça, le rugby, c'est un sport de combat collectif. Donc si on va se faire casser la gueule ensemble, donc quelque part, il faut des liens. Et ces liens, ce lien de fierté, il est important. Et cette année, croyez-moi, la fierté, elle est forte. Voilà. On a parlé de la section et le public qui suit la section. Comment est-ce que vous le qualifieriez? Je vous ai demandé un adjectif. Alors ça, il est pour vous, celui-là, Bernard. Le public. Ah ben le public, c'est un public de passionnés, mais c'est un public avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire les excès. Et alors c'est parfois, le lundi, c'est sympa, et d'autres lundis, c'est plus compliqué. Alors, à titre, bon, y a le président, parce que bon, un jour, je serai plus président, je ne fais que servir ce club de bénévolement, mais je serai avec vous, donc je me laisserai aller. Mais quand on est président, quand on reçoit les messages, vous savez, on a besoin de soutien, donc... Essayez d'être un petit peu équilibré. Merci. Le message est largement passé. Alors, cela dit, il l'a dit pour le public, il l'a pas dit pour les journalistes. Oui, nous, il nous laisse notre liberté de propos, ça c'est parfait. Donc c'est parfait. Avant de quitter la scène, je veux remercier Pyrénées Presse et aussi son rédacteur en chef, hein, Nicolas Rambière, et surtout eux, hein, surtout eux qui ont été, qui vivent avec nous le quotidien. On se croise parfois, on les envoie chier aussi de temps en temps, il faut quand même le dire. Mais quand même, au quotidien, bon, ils font partie de l'équipe. Et donc, le job, je voulais les remercier, c'est ce qu'ils ont fait, parce que c'est vraiment un beau bouquin. Donc, merci. Avant de partir, je voulais le dire. Absolument. Et en tout cas, on voit bien à quel point cette équipe, cette famille, pour prendre vos mots, lorsqu'elle se réunit, elle a de belles photos à partager, de beaux commentaires à vivre, à partager. On m'a dit vraiment que le bouquin s'arrachait. C'est pas une vanne en plus. Ah non, c'est pas une vanne. Ça doit être. Il en restait deux. Il y en a un là. Donc voilà. Non, c'est pas une vanne. Le numéro de Vincent Martinelli, c'est le 0642. Je connais plus la suite. Non, je connais pas la suite. Moi non plus. Vous applaudissez s'il vous plaît très fort. La section paloise et l'omnisport et la partie pro. Merci beaucoup. Et puis encore une fois, merci d'être venu pour cette petite dédicace, fort sympathique, qui nous a permis, ma foi, de rythmer le début de cette soirée. Voici la prochaine catégorie de cette soirée, c'est le prix coup de cœur. Ce prix coup de cœur, il a des finalistes. Il est parrainé par Pyrénées Presse. Et voici les 8 finalistes qui étaient en compétition dans cette catégorie coup de cœur. Leur visage va apparaître à l'écran avant qu'on ne découvre le nom du lauréat. Allons-y. Alors pour les coups de cœur de l'année, était en compétition Amanda, dont le courage est absolument remarquable. Atteinte de leucémie, elle réalise son rêve et elle a rencontré Vianney cet été. La naissance très rock'n'roll d'Andrew à Soldenaveil, très rock'n'roll, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de bébé à Soldenaveil. La complicité de Coraline avec sa chienne Nesca pour remporter des médailles en Grèce en catégorie Agility Dog. Chloé et Maeva qui ont vaincu le Kilimanjaro, les joueuses de l'Asmur, reine de la Coupe des Pyrénées. Le palois Serge Alves, un envoyant qui voit la vie en grand, c'est le moins que l'on puisse dire. Le chocolatier palois Xavier Berger, meilleur ouvrier de France. Il y aura beaucoup de meufs ce soir nommés dans les catégories. Et Johnny, un policier municipal qui agit à l'escar et qui cette année notamment a commis un formidable sauvetage. Vous applaudissez tous les 8 s'il vous plaît. Les 8 dans cette catégorie coup de cœur. Je demande à Eric Belli de bien vouloir me rejoindre. Je vais découvrir moi-même d'ailleurs le nom du lauréat de cette catégorie coup de cœur. Maintenant que j'ai trouvé l'enveloppe. Alors, parmi ces 8 nommés, lauréat. Et je ne comprends pourquoi pendant des années, tous les invités que je reçois n'arrivent jamais à décrocher le nom du vainqueur. C'est Amanda. Amanda qui a réalisé son rêve en rencontrant Vianney, qui remporte donc cette une que vous tenez dans vos mains, mon cher Eric. J'aimerais qu'on découvre le nom des deux autres finalistes, parce que si Amanda a été mise à l'honneur, les joueuses de l'Azmur, reine de la Coupe des Pyrénées, ainsi que Johnny, le policier municipal de l'Escar, que j'étais tout à l'heure, ont recueilli beaucoup de suffrages. Vous les applaudissez également, s'il vous plaît.
Et ils sont tous en compétition près tout à l'heure, Bernaise ou Bernet de l'année. Amanda, son visage apparaît juste derrière nous, ici même. Elle ne pouvait être présente ce soir. On lui a dit quand même de suivre cette émission en direct sur larépublique.fr parce que peut-être une bonne nouvelle allait arriver. Et théoriquement, nous devrions être en relation avec Amanda. Si tel est le cas, je vais demander à la régie de comiter. Ben, je vois un très beau sapin, je vois un très beau sourire. Je la vois avec sa sœur et j'aimerais qu'on les applaudisse tous les deux très fort, s'il vous plaît. Bonsoir les filles. Est-ce qu'on vous entend ? Le retour, il faut encore que j'ai un retour. On me demande de regarder ici. On va vous voir ici même. Les filles, est-ce que vous nous entendez ? Pas trop, non. Pas trop. C'est normal, nous aussi, des fois, on ne s'entend pas du tout. Les filles, on va essayer de parler plus fort. Je vais laisser le temps à la régie de connecter tout cela. Vous avez un superbe sapin de Noël derrière vous. Merci. Est-ce que vous avez fait la liste au Père Noël ? Oui. Et est-ce que vous aviez réclamé un trophée catégorie Bernet de l'année ? Oui. Ah ben vous avez bien fait. Le Père Noël est en avance. Le Père Noël est en avance. Regardez, écoutez, Eric, mon camarade, juste à côté, c'est un petit lutin de Noël qui a plein de questions à vous poser. Ce truc va te rester pendant des années. Regarde en face à la caméra juste là. Merci Eric. Amanda, est-ce que tu es heureuse de recevoir ce prix ? Oui. Quel souvenir tu gardes de ta rencontre avec Vianney ? Alors, on va raconter l'histoire. C'est Maria, ta maman, qui a voulu réaliser un de tes rêves les plus chers, c'est de rencontrer en vrai, pour de vrai, comme on dit, ton chanteur, ton idole, Vianney, le chanteur palois. Ce qui a été possible grâce à Jacques Pédéonta, le maire de Lasse, où Vianney se produisait cet été. Donc, quel souvenir tu gardes de ta rencontre avec Vianney, Amanda ? Que des bons souvenirs. Mais encore. On était en famille, il était super gentil, et puis on a pu voir le concert aussi. Est-ce qu'il chante bien ? Ah, il chante... coupé, non. Ah. Est-ce qu'il chante bien ? Oui. c'est du bon. Quelle est la chanson de Vianney que tu connais le plus ? Bon papa. Est-ce que tu es capable de nous faire entendre ce que ça donne ? Non. J'aurais essayé. Mais je sens que maman est juste à côté parce que c'est aussi grâce à maman que ce rêve a pu avoir lieu. Alors grâce à maman, grâce à Jacques Pédéonta qui a beaucoup aidé, lui qui organise la manifestation. Est-ce que maman, par contre, connaît toutes les chansons du Vianney par cœur ? Alors, oui. Mais je ne chanterai pas. Mince alors. Mince alors. Je laisse le chanter à Madère. Ah, c'est une autre chose. Eric. Juste une question pour la maman, pour Maria, parce que je crois qu'elle tenait vraiment à ce que sa fille, qui m'a-t-elle raconté, très courageuse au quotidien, ait une récompense. Quel sens pour vous a cette récompense ? Et pour votre fille ? En fait, Amanda, c'est une guerrière qui se bat dans l'ombre. Et j'avais envie qu'on la mette en lumière. Parce que son courage, sa force, sa résilience, c'est un exemple de vie pour nous tous. C'est beau, ça compte compliment. Pardon ? J'entends pas. C'est très beau, je dis, comme compliment. Ça a touché également, d'ailleurs, ce combat permanent hein, qui est celui d'Amanda. Ça a beaucoup touché Vianney. C'est en tout cas quelque chose qu'il a su exprimer à Amanda. Et c'est formidable d'arriver comme ça à vivre de formidables rencontres, Amanda. Après Vianney, qui as-tu envie de voir ? Elle aime beaucoup Black M et elle a pu le rencontrer aussi. Très bien, Black M aussi c'est fait, ok. Il en reste un que t'as pas vu, Amanda. J'aurais aussi aimé rencontrer Soprano et Amir. Bon, mais on sait ce qu'il nous reste à faire. On sait ce qu'il reste à faire quand il va passer au Zénith. On sait ce qu'il reste à faire. Bravo à toi, Amanda. On t'encourage vraiment et on est avec toi. Et continue à batailler. Continue à batailler, Amanda. Merci. Et regarde.
Sous le sapin, voilà un cadeau de plus que tu trouveras. Et tu as un magnifique béret aussi. Oh bah oui. Béret et une. Vous applaudissez Amanda, s'il vous plaît, sa maman et tout son entourage d'ailleurs. Et attends, cela dit, Amanda, juste, comment s'appelle ta sœur juste à côté? Olivia. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Olivia. Olivia, tu as quel âge, Olivia? 5 ans. 5 ans. Et est-ce que toi, tu connais les chansons de Vianney? Ah oui. Non, parce que moi, on m'a promis une chanson dans ce duplex, je veux avoir la chanson. Oh, tu veux chanter? Allez, ça sera quand on aura raccroché. Vous applaudissez, s'il vous plaît, très fort. Bravo pour cette famille formidable. Alors, mon cher Eric, vous avez choisi de mettre à l'honneur, évidemment, Amanda, mais vous avez choisi également un certain nombre d'événements qui ont marqué l'année. Ces événements, on va les retrouver au sein de la rétrospective annuelle qui rythme cette soirée des Bernets de l'année. Alors, c'est une année 2022 qui a été riche dans ses bons côtés, dans ses côtés un peu plus compliqués. Je vous propose de découvrir cette rétrospective montée par nos équipes de Création, mais à partir de vos textes et avec la voix de Ambre, que nous vous accueillerons tout à l'heure, qui fait partie des journalistes de Pyrénées Presse, qui officie dorénavant du côté de la Web TV. Voici donc le fruit de ce travail collaboratif qui va nous rappeler aux uns et aux autres à quel point cette année 2022 était une année, mine de rien, particulière. Regardez. Donc je viens vous demander aujourd'hui, Monsieur le Président. C'est fou comme ce mois de janvier donne par bien des aspects le ton de ce qui va suivre. Les records de chaleur tombent déjà en Béarn. Les crues et inondations lancent une année 2022 rock'n'roll du point de vue climatique. Le Covid-19 ne disparaît pas du paysage avec un variant Omicron qui se développe à vitesse grand V. Les chiffres des taux d'incidence s'affolent. C'est le bazar dans les écoles. Tout le monde se jette sur les autotests. Et le drive test du Zénith de Pau est pris d'assaut. 7h15. Et là, il est 10h15. C'est ça, ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Et à 7h15, quand je suis arrivé, il y avait déjà du monde. Même l'inamovible Classico Basket Limoges-Pau est mis sur le flanc avec 5 joueurs de l'élan contaminé. Seul point positif, pour de vrai celui-là, c'est en Béarn, à Mourinx, que Pfizer a choisi de produire la molécule de son médicament anti-Covid. Là aussi, le prélude à une année faste en termes de bonnes nouvelles pour le bassin de Lac. Les premiers foyers de grippe aviaire apparaissent et les mesures de protection qui vont avec. C'est une décision qu'a pris l'État d'abattre tous les animaux autour des foyers pour épurer les zones, puisque c'est la seule solution que l'on a aujourd'hui pour essayer d'enrayer ce virus. Les éleveurs sentent déjà que le cauchemar du vide sanitaire va se renouveler. En ce mois de janvier également, l'inflation commence à peser lourdement sur nos budgets et les consommateurs béarnais cherchent des parades. Les prix du carburant s'envolent. Le ton de 2022 est vraiment donné. Un paradoxe, le 64 est le département le plus touché de France par le Covid-19 et l'étau des mesures de restriction se desserre. Les boîtes de nuit reprennent enfin du service. La fête du Grand Cross à l'Hippodrome se déroule devant 8000 personnes. Les gens applaudissent, les gens ont certainement joué et parié, et donc il y a cette ferveur. On aime les chevaux, on aime le sport, on aime les courses, voilà. Au hameau aussi, la jauge redevient normale, avec 15 000 supporters pour pousser derrière la section victorieuse contre Toulouse. Durant les vacances d'hiver, les stations béarnaises font le plein après une année 2021 blanche pour les amateurs de ski et noire pour les professionnels. Mais l'événement du mois et de l'année tout entière se passe à quelques milliers de kilomètres. La Russie sidère le monde entier en décidant d'envahir l'Ukraine. L'émotion est immense ce 24 février et en Béarn comme ailleurs, la colère et la stupéfaction s'expriment. On mesure aussi déjà les conséquences économiques que le conflit peut avoir localement, mais elle laisse très vite la place à une vague de mobilisation solidaire qui emporte tout. Je suis là pour dire qu'on est avec vous, même si on est loin, on est avec vous, tenez bon. Je sais pas quoi vous dire d'autre, tenez bon, je sais que c'est pas facile. En effet, l'élan de solidarité dont font preuve les Béarnais est exceptionnel. À Pau, Orthès, Oloron, la plaine de Naye et tout le Béarn, ce sont d'abord les particuliers qui se mobilisent, puis des associations prennent le relais, d'autres se créent.
Les collectivités aussi s'organisent pour collecter le matériel et les vêtements dont ont besoin les Ukrainiens. Parallèlement, l'accueil de réfugiés se prépare. Certains font même des milliers de kilomètres pour aller les chercher. En ce mois de mars, c'est aussi un peu Paris qui débarque à Pau. Au Palais Beaumont, le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron répond aux questions d'un panel de lecteurs que La République, L'Éclair et Sud-Ouest ont sélectionné. Donc je vous promets qu'on va regarder et je vous apporterai une réponse, je prendrai votre numéro pour qu'on vous apporte une réponse aussi particulière sur ce sujet. Pendant ce temps-là, à Lourdios, Jean Lassalle, dans un tout autre style, lance son sprint final vers l'Elysée avec un bus customisé à l'américaine. En avril, l'élan est en feu. En championnat, il signe une série de 7 succès de rang et renverse même Strasbourg en finale de Coupe de France, le premier titre depuis 15 ans. Mais c'est tout le sport pro palois qui sourit, avec le Pau FC qui assure le maintien finalement assez tôt dans la saison et avec la section qui surclasse Biarritz à Biarritz et se prend même à rêver brièvement d'un top 6. D'autres ont moins le cœur à sourire, ce sont les agriculteurs. Après le Covid, la grippe aviaire, le coût de l'énergie, voilà que le gel s'abat sur les cultures. Très inquiets, ils font monter la pression avec une grande manifestation dans le centre-ville de Pau, où fumier et tracteurs envahissent la place Clémenceau. Il y a tout de même de bonnes nouvelles économiques en ce printemps, et notamment dans l'aéronautique, où la reprise est bien là et les carnets de commandes se remplissent. Safran annonce par exemple l'embauche de 800 personnes en 2022. Personnes et nous en recrutons 300 CDI d'ici la fin de cette année. Mais un drame suscite une vive émotion, la disparition tragique de 3 montagnards béarnais chevronnés dans une avalanche en Norvège. Tout le milieu de la montagne est en deuil et rend hommage à Patrick Caria, Roger Pourteau et André Vigneault. En mai, c'est le retour des grands rassemblements dont certains n'ont plus eu lieu depuis 2019. Plusieurs milliers de personnes pour la foire du 1er mai à Oloron, 1500 manifestants dans les rues de Pau ce même jour, 6000 Palois et Béarnais sur le boulevard des Pyrénées pour la première édition des terrasses du Jurançon. Retour d'un Grand Prix de Pau qui a su prendre le virage des énergies nouvelles avec le plaisir pour les pilotes d'évoluer devant des gradins remplis de public. Au total, et rien que pour la partie moderne, le Grand Prix a attiré 54 000 personnes. C'est ce qui s'appelle un retour gagnant. Les fêtes traditionnelles repartent aussi de plus belle. Les comités de fêtes de village se mobilisent pour préparer l'été et la saison des mariages démarre en trombe. L'autre fait marquant, c'est la fièvre autour des services des urgences. C'est d'abord l'hôpital d'Oloron qui annonce une fermeture temporaire par manque de personnel, mais du temporaire qui pourrait durer tout l'été, même si l'ARS finit par reculer. Grosse mobilisation en Haut-Béarn avec 2500 personnes qui se rassemblent à Oloron pour sauver les urgences. Des tensions similaires sont déjà en gestation à l'hôpital d'Orthez et à l'hôpital de Pau. Des tensions, il y en a aussi à l'élan béarnais, mais en coulisses, dans l'encadrement du club, nous révélons l'existence d'un passif de 2 millions d'euros. Mais bizarrement, sur le terrain, les joueurs sont en apesanteur et se qualifient brillamment pour les demi-finales du championnat de France. On est vraiment content et fier de l'équipe, je pense, comme à l'image du public, du club et tout, parce que ça, après la titre de Coupe de France, il y a quand même une qualification demi-finale qui n'est pas arrivée, si je ne me trompe pas, depuis 16 ans. Et ce double visage de l'élan éclate ouvertement au mois de juin. Sur le parquet, les joueurs sont à deux doigts de créer l'exploit contre l'ogre Monaco et s'inclinent de justesse dans un palais bouillant. En revanche, la gravité de la situation financière du club se confirme. Le propriétaire assure pouvoir apporter des garanties, mais la Ligue refuse de retenir l'élan dans ses divisions professionnelles. Les élus de l'agglo créent un groupe de travail pour voir quelles sont les issues possibles. Et il n'y a pas qu'à l'élan que l'orage éclate. Le Béarn connaît la première période de canicule de l'été. Elle est suivie par deux orages de grêle d'une violence extrême. Les champs de maïs sont hachés, des centaines de toitures sont trouées et de très nombreuses voitures voient leur carrosserie cabossée et leur pare-brise fendue. Surtout sur le secteur de Nousty-Soumoulou, les couvreurs sont débordés et n'ont pas fini de l'être.
Au milieu de ces épisodes sportifs et météorologiques agités, l'actualité livre quelques instants de bonheur à savourer sans modération. Le grand retour de la PACEM, cette course de relais dans tout le Béarn, destinée à promouvoir la culture et l'identité béarnaise, qui a désormais un écrin au Edas, la Ciutat, et le triomphe du rugby amateur béarnais avec Thèse, Luzep et Sévignac, tous les trois titrés champions de France. Ah, au fait, on allait presque oublier, il y a eu des élections législatives au mois de juin. David Habib, Josy Poueto et Jean-Paul Mattei ont été reconduits. Mais il y a un petit nouveau, Iñaki Echaniz, qui succède à Jean Lassalle, qui lui ne se représentait pas. La suite des événements marquants de l'année dans quelques petites minutes. Vous allez pouvoir voter depuis chez vous et dans la salle d'ailleurs pour élire. Quel est l'événement qui pour vous aura le plus marqué l'année 2022? Avant cela, je voulais simplement, au nom de la rédaction d'ailleurs de PNL Press, revenir sur un des temps forts, évidemment, de cette année. On devrait presque dire un temps hors catégorie, à tous les sens du terme. Vous l'avez entendu, depuis le 24 février, des centaines de personnes ont manifesté leur colère d'abord, puis ensuite tout leur élan de solidarité au regard du conflit qui est né, évidemment, en Ukraine. À Pau, Orthez, Oloron, parmi ces ceux qui ont porté haut et fort cette voie de la solidarité, il y a l'association Vesna, qui signifie printemps en ukrainien. Je crois que des représentants de l'association sont parmi nous. Je vais leur demander de bien vouloir nous rejoindre et vous les applaudissez, s'il vous plaît. Vesna qui a créé à Pau, après l'invasion russe, un pont, un moment de rencontre, évidemment, pour les Ukrainiens qui arrivent, pour les Béarnais qui veulent les aider. Dorothée Huil, Luba Nakonekta sont les présidentes de cette association qui a organisé tout d'abord une grande collecte en septembre pour que les Ukrainiens puissent affronter l'hiver dans les zones sinistrées. Venez me rejoindre juste à côté, ici même. On aurait pu inviter beaucoup d'autres Béarnais tout autour de vous parce que la mobilisation a été énorme. Ici en Béarn, on a cité quelques exemples dans le sujet il y a quelques instants, mais dans le milieu du kayak, on s'est mobilisé pour héberger la tête Victoria Hus, par exemple. Impossible de passer à côté également de l'effort incroyable de l'association Piémont-Oloronais, urgence réfugiés. Aima a envoyé de très nombreux semi-remorques de matériel d'urgence en Pologne. L'association Providencia, la SUB, s'est mobilisée, la Plaine de Naï, on l'a dit tout à l'heure également, extrêmement présente depuis le début du conflit. Des exemples, il y en a énormément, y compris d'ailleurs avec des particuliers qui, sans structure associative d'ailleurs, hein, se sont mobilisés. Je pense au Pizzaiolo de Saint-Dos, premier à se mobiliser. Je pense également à l'ONG, le Fonds des Hirondelles, qui a organisé la première grande collecte dans l'agglo de Pau. Les collectivités n'ont pas été en reste d'ailleurs. Hein. L'agglomération de Pau, bien sûr, centre de collecte au parc des expositions Montétréville, la mairie d'Orthez, celle d'Oloron, le département, des antennes locales du Secours populaire, du Secours catholique, de la Croix-Rouge. Certains sont même allés jusqu'en Pologne chercher des réfugiés ukrainiens pour les accueillir chez eux ou bien pour leur proposer avec des voisins, des amis, de nouvelles connexions humaines, de belles histoires à Montaner, à Abel Kobios, qui a su également se mobiliser. Il a acheté un utilitaire avec un ami, il l'a rempli de matériel médical, il l'a livré à la frontière ukrainienne. Vitaly est allé chercher des membres de sa famille en Pologne pour avec l'aide d'un policier municipal de l'Escar, Mathieu Belmonté, également Dibé Bel, d'ailleurs, l'intendant de la section, parti à la frontière pour apporter du matériel, donner un coup de main sur place, acheminer des vêtements chauds. Je pense aux bénévoles de Pontac également, Pontac Solidarité Ukraine. Ils sont partis chercher 28 réfugiés pour les accueillir chez eux. Et puis tous ces établissements scolaires qui ont accueilli également les élèves ukrainiens. Alors bien sûr, vous êtes là sur scène, mais je pense à l'ensemble de ces Béarnais, je pense à vous, et je vous dis au nom de tous un immense, immense, immense bravo et merci. Prenez le micro, je vous en prie. Parce qu'après le cri de colère qu'on a entendu tout à l'heure, hein, le cri de colère, la surprise, la consternation du départ, il a fallu s'organiser, ça continue d'ailleurs hein, à s'organiser. Oui, ça c'est, on a vu, c'était le 25 février. Parce que le 24, c'était pas possible, c'était vraiment un choc, il était impossible de faire quoi que ce soit. Et là, je me souviens ce jour de 25, quand on a décidé de sortir pour crier haut et fort, il faut les aider. Et aujourd'hui, il faut continuer de les aider, mais grâce à ça qu'on les soutient, ils tiennent encore. Parce que là, je me souviens les mots que je dis qu'il faut les soutenir, ben, c'était vrai, et il faut continuer de les soutenir.
C'est vrai que c'était une année qui est particulièrement douloureuse pour le peuple ukrainien et pour le monde entier avec cette guerre. J'ai jamais cru qu'on peut vivre ça. C'était impossible. Et comme a dit une nominée de prix Nobel à Alexandra en Ukraine, elle dit que il ne faut pas être ukrainien pour soutenir l'Ukraine, il faut juste être humain. Et cette humanité, on a retrouvé beaucoup dans la Berne. Parce que depuis quand c'est commencé, il y a tellement de choses qui sont mises en place. C'est pour ça que je vous remercie énormément. J'espère que vous allez continuer à aider parce que ce n'est pas fini. C'est impossible de vous transmettre toutes nos inquiétudes, parce que là, tout à l'heure, j'étais au téléphone avec ma sœur qui est encore sur place. Ils n'ont pas d'électricité. Elle est où, pardon ? Elle est près de Kiev. Hier, elle m'a dit que c'était les bombardements. Elle est attendue chez elle et c'est impossible de vivre. Je vous dis encore une chose, que si il n'avait pas cette solidarité, si on n'avait pas aider autant, je crois que je ne serais pas là. Je serais partie sur place. Je n'aurais pas pu être ici sans rien faire. Et grâce à cette association Vesna 64 qu'on avait fondée et qu'on fait beaucoup pour aider sur place, je suis aussi là pour continuer de les aider. Donc je vous remercie de soutenir l'Ukraine. Je vous remercie d'être humain, tout simplement. Merci. On va vous applaudir. Merci. Transmettez évidemment tout ce que l'on peut transmettre du fond du cœur de la part de celles et ceux qui suivent cela, et beaucoup d'impuissance d'ailleurs, mais chacun peut en effet contribuer à faire. Merci, on va vous applaudir très fort. Bravo. Et courage que vous transmettrez évidemment. Merci, merci, merci. Je vais vous laisser regagner la salle. On va continuer maintenant à égrener le palmarès de cette soirée, mais vous pouvez depuis chez vous, d'ailleurs, vous manifester et manifester, d'ailleurs, certes, des éléments de solidarité, bien sûr, à tout moment, et vous manifester également pour témoigner de ce qui est votre événement fort de l'année. Alors, ça paraît toujours compliqué d'enchaîner les séquences, une séquence aussi forte en émotion avec une séquence qui est pour le coup ludique, qui est souriante. C'est ça aussi la vie. Les choses s'enchaînent et... ça n'empêche de penser évidemment à celles et ceux qui souffrent que de se projeter sur l'avenir que l'on souhaite évidemment le meilleur possible pour chacun. Alors cet avenir, il sera peut-être fait de moments de repos pour les uns et pour les autres. Ces moments de repos, vous pourrez les gagner, par exemple, dans l'un des établissements dirigés par Pierre Sobo, dans les gîtes de Pierre Sobo, en votant pour votre événement phare de l'année. Alors plusieurs événements vont s'afficher à l'écran. Vous pouvez envoyer gratuitement, il n'y a aucun coût, par SMS, le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui correspond le mieux à votre choix, à votre perception de ce qu'est l'événement qui a marqué le plus le Béarn pour cette année. Bien sûr, on n'a mis que des événements souriants, non pas les faits divers, non pas forcément les mauvaises nouvelles. Vous envoyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au 06 44 63 07 14 06 44 63 07 14 pour gagner l'un des séjours pour 6 ou 8 personnes dans l'un des gîtes du domaine de Tsingtao qui se situe pas très loin d'ici. Vous allez pouvoir visiter la propriété, vous pourrez également déguster du vin. Vous avez jusqu'à demain soir pour celles et ceux qui vont suivre cette soirée en replay pour jouer. Il y aura donc un tirage au sort avec 3 gagnants. Regardez une nouvelle fois les événements, si on peut les réafficher s'il vous plaît. Vous pouvez voter évidemment pour la mobilisation qui ne s'est pas arrêtée au 24 février envers l'Ukraine. Le 6 mars, c'est 2022 brebis qui ont défilé sur les Champs-Élysées, on l'a dit tout à l'heure. Le 26 mars, c'est les 120 ans de la section paloise fêtés au stade du Hameau. La Coupe de France de l'an Béarnais, c'était le 25 avril. Le retour gagnant du Grand Prix de Pau, c'était le 7, 8 et 9 mai. Au mois de juin, les titres de champion de Thèse, de l'UCEP, de Sévignac. Le 30 septembre, et non pas 37, l'inauguration du pôle culturel du Foirail. Et au mois de novembre, le renouveau du bassin de lac qui est daté en novembre mais qui aura rythmé toute l'année. Vous envoyez votre coup de cœur et vous pouvez jouer également dans la salle pour gagner donc les cadeaux mis en jeu. Le prochain trophée, c'est le trophée engagement, justement, mais engagement vis-à-vis de la préservation de la planète, vis-à-vis des gestes du quotidien qui vont nous permettre de durer longtemps, le développement durable, parrainé par Valor Béarn, acteur incontournable dans le domaine. Monique Sébavoine en est la présidente, elle nous rejoint, vous l'applaudissez s'il vous plaît. Bonsoir ma chère Monique, prenez place à côté de moi pour parler également d'engagement. Alors bien sûr, on n'est pas dans le même domaine d'engagement que celui que nous venons d'évoquer maintenant, et pourtant celui qui consiste
dans les petits gestes du quotidien, à faire plus pour notre territoire, pour la planète en général, c'est ce qui motive la création de Valeurs Béarn. Valeurs Béarn, absolument, qui est un syndicat mixte, hein, une organisation gérée par des élus de tout le territoire du Béarn et qui gère des installations. Alors là, ce n'est pas les petits gestes, c'est les grands gestes. Et là, c'est les grands, voilà. Les grands investissements publics qui servent à traiter les déchets ménagers de tous les Béarnais et à les recycler pour certains ou à produire de l'énergie renouvelable pour d'autres. Recycler par exemple les emballages au centre de tri de Sévignac quand vous les jetez dans le bac jaune, eh oui. Ou incinérer à l'ESCAR les poubelles grises que nous mettons tous dans nos bacs gris et qui servent à produire maintenant de la chaleur, de l'électricité aussi, mais de la chaleur qui va dans le réseau de chaleur urbain de Pau. Alors ce sont là les grands investissements, mais comme vous l'avez dit Eric, ça part d'abord des petits efforts du quotidien de nous tous. De vous, moi, vous avez raison de le dire. De tous les gens qui sont là, parce que ça commence d'abord par le tri de nos déchets chez nous à la maison. Absolument, c'est le premier geste que l'on peut tous faire d'ailleurs de façon très très simple. Et d'ailleurs dans nos métiers, l'événementiel sont des choses qui évoluent beaucoup avec des petits gestes tout simples qu'on ne pensait pas à faire, pour être tout à fait honnête, bien souvent, et que maintenant on a inscrit dans le marbre pour évidemment participer à cet engouement. Vous parlez des gros investissements, je crois que dans les semaines à venir, pour Valeurs Béarn, il y a des rendez-vous importants en matière d'investissement toujours. Oui, il y en a tout le temps. Alors, je ne sais pas auquel vous pensez précisément. Sévignac, par exemple. Sévignac est inauguré déjà depuis 5 ans et fonctionne depuis plusieurs années, mais continue. Mais continue à se moderniser. Absolument. Je vois que vous savez tout ça. J'ignorais que vous le saviez déjà. Alors oui, Sévignac continue à développer de nouveaux process d'ingénierie pour développer toujours, pour recycler toujours plus, toujours mieux, plus de déchets que nous devons d'abord bien trier chez nous à la maison. Le message est très clair. Monique Semavin nous a découvert maintenant le visage des 8 finalistes dans cette catégorie pour lesquelles les gens ont voté en nombre. C'est une catégorie qui a rassemblé énormément, énormément de suffrages. Les voici. Romain Rouvreau, l'ingénieur qui a choisi de devenir meunier bio dans une deuxième vie professionnelle. Xavier Dumoulin, lauréat d'un prix de la photo environnementale. Ecopernic, le lotissement écolo qui a tissé sa toile à Pau. L'association Les Fioretti avec son jardin où l'on cultive légumes et solidarité, les aires de Suèche à Oloron qui ont pris soin du grand tétra, Emma, la filière recyclage pour le matériel médical, Anna Topeno, la lycéenne de Nain qui a bousculé Emmanuel Macron dans le question-réponse qui a eu lieu au mois de mars dernier, et puis, je crois que vous l'avez vu, le lauréat de cette catégorie, c'est quelqu'un qui mérite un tonnerre d'applaudissements. La lumière va s'afficher dans la salle, là où il doit se rendre maintenant pour nous retrouver dans quelques minutes ici. Il a décidé de planter 48 000 arbres, rien que cela, dans sa propriété. Il ne s'arrête pas là dans son engagement. Le Béarnais de l'année catégorie engagement, c'est Axel Bat. Vous l'applaudissez très fort, s'il vous plaît. Axel Bat, Béarnais de l'année dans cette catégorie. Venez rejoindre le point lumineux qui s'affiche ici. Alors que j'aimerais donner un grand coup de chapeau également à l'association Les Fioretti, avec ce jardin où l'on cultive, avec beaucoup de solidarité d'ailleurs, légumes et autres. Ils ont reçu beaucoup de suffrages. Et puis les très jeunes lycéens de Suèche à Oloron qui ont pris soin du grand tétra, vous les applaudissez très fort, s'il vous plaît. Ils vont nous rejoindre sur scène. Je vais demander donc à Axel Bat, qui doit être présent dans la salle, de rejoindre Eric Belli. Et ici, allez-y, vous allez suivre Eric en coulisses. Et pendant ce temps, Monique, nous allons découvrir des talents qu'on avait reçus il y a quelques années au Zénith, pour la première édition d'ailleurs de ces Béarnais de l'année. Ils avaient reçu le prix coup de cœur du talent, du public. C'est une troupe qui, depuis, n'a pas relâché son effort, qui se produit très souvent partout sur ce territoire et bien au-delà d'ailleurs, qui font converger beaucoup de talents. Cette troupe, elle est basée à quelques pas d'ici. C'est pour ça qu'on voulait les mettre évidemment à l'honneur. C'est la troupe de l'Arsène Théâtre. Ils ont une nouvelle fois fait un zénith comble dans sa jauge, évidemment régionale, pour leur spectacle Hommage à Dalida. Ils seront le 31 décembre au Palais Beaumont pour animer, comme ils le font chaque année d'ailleurs, cette soirée qui, pour les uns, est une soirée pleine de joie et pour les autres, une soirée parfois de solitude. Et il faut bien qu'il y ait une offre qui permette à chacun de faire battre son cœur très fort. Il venait d'avoir 18 ans,
C'est une chanson qui fait partie du répertoire de Dalida. Ne me regardez pas avec ce regard, sinon évocateur de plein de souvenirs derrière cette chanson. Cher Monique Semavoine, il venait d'avoir 18 ans. Ils auraient pu figurer dans la catégorie des espoirs. Mais c'est sur scène que vous applaudissez l'Arsène Théâtre avec un extrait de ce spectacle. Laissez-nous danser, qu'il nous propose cette fois-ci pour la première fois au Forail. Musique. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire quand il s'est approché de moi. J'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit, j'ai envie de toi. Il avait vu au cinéma le blé en herbe, au creux d'un lit improvisé. J'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal, avec la candeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Par habitude, j'avais oublié simplement que j'avais deux fois 18 ans. Des applaudissements, merci. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Et rendez-vous donc le 31 décembre, ça sera au Palais Beaumont pour la soirée de l'Arsène Théâtre, et puis évidemment tout le long de l'année. Nous allons accueillir maintenant sur scène celui qui a donc reçu le plus de suffrages de votre part, puis de la part du jury. Vous applaudissez Axel Bat, s'il vous plaît. Béarnais de l'année dans cette catégorie engagement, développement durable. Venez nous rejoindre. C'est un engagement soutenu par de très nombreux applaudissements. Prenez le micro, chère Monique. Ambre Tarin vous accompagne. Il va faire plus ample connaissance, va nous permettre de faire plus ample connaissance avec vous. Bonsoir, ma chère Ambre. Je vois que vous n'avez pas de micro, donc je vais vous en donner un. Je préviens la régie que ça sera le bleu et qui va vous aller très bien au teint. Prenez-le. C'est le bleu couleur la REP. Vous voyez, c'est celui que vous avez au studio. Exactement. Je ne suis pas dépaysée. Exactement. Voici quelqu'un qui, certes, est un, comment dire, un solitaire lorsqu'on voit son nom nommé dans la catégorie, mais on le sent bien qu'il a engrangé beaucoup de personnes autour de lui dans sa cause pour planter ces fameux 48 000 arbres. Exactement. Félicitations tout d'abord, Axel Bat. Merci beaucoup. Vous vous êtes lancé dans... Je suis désolé de vous interrompre. Allez-y, vous allez-y. N'imaginez pas combien je suis content, fier... Et heureux d'être déjà d'être nominé en plus de gagner. Pour moi, c'est tout simplement dingue. Mais vous pouvez. Vous pouvez. Vous pouvez. Vous avez décidé de planter 48 000 arbres.
Comment ça vous est venu? Racontez-nous un petit peu cette histoire. Alors, j'ai pas mal voyagé et dans mes voyages, j'ai bien vu que la Terre était souffrée, la Terre était polluée, qu'il y avait vraiment un réchauffement climatique. Et puis, on m'a offert, des amis m'ont offert la nouvelle de Jean Giono, l'homme qui plantait des arbres. Oui. Et là, j'ai eu le flash. Franchement, ça m'a bouleversé et je me suis dit, Axel, il faut que tu fasses comme Elzéar Bouffier, qui est le héros de la nouvelle de Jean Giono. Voilà, ça m'est venu comme ça et je me suis dit, ben voilà, je vais planter une forêt. Et alors, comment logistiquement on se dit, je vais planter une forêt? 48 000 arbres, c'est pas rien quand même. Alors, c'est une excellente question. J'ai une formation en finance, j'ai passé beaucoup d'années en tant que directeur financier, j'aime bien les chiffres. Ouais. Donc, j'avais ce projet, j'avais ce rêve, je me suis dit, allez, quels chiffres je vais mettre? Donc, j'ai étudié un petit peu la question, et puis j'ai vu que pour être neutre en carbone dans sa vie, en moyenne, c'est vraiment une moyenne donc très agrégée, il fallait planter 5000 arbres dans sa vie. Ah oui. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui, déjà. Mais c'est faisable. Et donc, nous sommes une famille de 5, donc facilement, je me suis dit, allez, je vais essayer de planter 25 000 arbres. En étudiant un petit peu le nombre d'arbres par hectare, etc., je me suis mis en recherche de 25 hectares dans le Béarn, et j'ai trouvé dans ce coin merveilleux de Vielnave de Navarinx une prairie de 26 hectares exactement, et voilà, et donc j'ai démarré logistiquement comme ça. Et vous en êtes à combien aujourd'hui? Alors à aujourd'hui, nous avons déjà planté 25 000 arbres. Et en février... Ah ouais. Bravo. Respect. Bravo. Et en février là, 2023, ouais. Il y aura 50 000 arbres nouveaux qui seront en train de pousser. Et je dis bien, je ne dis pas j'ai planté, je dis bien nous plantons des arbres, parce que j'ai eu l'idée vraiment tout seul. Mais très très vite... mes amis m'ont soutenu, ma famille m'a soutenu, j'ai mon frère Eric et ma soeur Nathalie qui sont là, j'ai choisi une équipe d'experts, donc il y a l'expert Didier Lajoujouz qui est là aussi, Laurence Degoul, Marion Saint-Tré qui m'ont accompagné, et tout de suite aussi les habitants de la commune et son maire, donc Jackie Bourguet qui a fait le déplacement aussi et qui est venu, le maire de Vielnave de Navarinx, je dois dire, formidable soutien, formidable engagement. Voilà, sur un projet qui changeait un petit peu de l'ordinaire. Et qui a touché les lecteurs comme le jury. On va vous remettre, c'est Monique Sébavoine qui va vous remettre ce trophée. C'est la grande chaîne de la solidarité. Le béret, le trophée. Regardez la une à Merci votre beaucoup. Nom. L'homme qui veut planter 40 000 arbres. Et puis je trouve ça formidable que cela ait pu naître après la lecture d'un roman. Vous voyez, quand on dit « Les idées mènent le monde ». Quelque part, c'est un très très beau titre et on voit à quel point la littérature peut faire des effets. Moi, ça fait bien longtemps que j'aurais dû arrêter de lire L'amour ne dure que 3 ans de Bête BD. Ça m'aurait rendu énormément service. Vous applaudissez très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci à tous. Alors Monique, tout à l'heure, vous savez que le cœur d'une élue, hein, bat souvent d'ailleurs pour les administrés de son territoire. Et tout à l'heure, vous étiez une fervente supportrice. Moi, j'ai vu passer les votes, etc., de jeunes sportifs de votre territoire. Oui. Ils n'ont pas gagné. Ils sont arrivés deuxième dans la précédente catégorie. Mais quand même, je veux non seulement leur faire un clin d'œil, mais les embrasser. Je ne sais pas, je vois personne ici, mais je crois qu'elles sont là, les filles de l'ASMUR. Alors bravo à vous, vous avez failli remporter le trophée. Et qui sait, peut-être les Béarnais de l'année. Peut-être, ah oui, vous pouvez encore être exactement. Les Béarnaises de l'année. Alors je croise les doigts avec vous, mais je suis très très fière que l'ASMUR, le club de football très célèbre de Mazères-le-Zon-Uzos-Rontignon, soit retenu dans cette catégorie, vraiment bravo. Et dans la catégorie d'avant. Mais je vais abuser du micro. Je vais faire un deuxième clin d'œil dans cette catégorie-ci. Je voudrais embrasser Françoise et Vincent qui ont développé ce lotissement, éco-lotissement, éco-pernique. Que l'on a vu dans les normes. Qui aurait mérité aussi de gagner parce que c'est l'affaire de chacun, je le disais tout à l'heure, de développement durable. Et c'est vous, c'est moi, c'est eux. Et eux, ils font un travail extraordinaire. Ils créent de leurs mains un lotissement écologique magnifique au nord de Pau. Et franchement, j'ai envie de leur dire gros bisous. Et vous venez de le faire. Applaudissements, s'il vous plaît. Bravo. Merci beaucoup, Monique.
Merci énormément. On continue cette soirée. Nous allons maintenant découvrir la catégorie médiatique. Je demande à Philippe Cascarère, qui est le PDG d'UBI, le groupe APR, de bien vouloir nous rejoindre. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. C'est lui le parrain, une nouvelle fois, de cette catégorie. Les médiatiques, applaudissements, s'il vous plaît, pour Philippe Cascarère, qui accompagne fidèlement cette opération. Venez, mon cher Philippe, depuis le début, depuis sa création, cette catégorie médiatique, certes, elle vous colle à la peau, mais vous eussiez pu également parrainer la catégorie solidarité, la catégorie engagement d'ailleurs, parce que ça correspond bien aux métiers qui sont les métiers d'UBI, qui favorisent le lien, le mieux vivre, et qui contribuent finalement à ce que le quotidien de chacune, de chacun, se passe dans la longueur du mieux possible. Oui, merci de... d'être là. Non. Oui, bah non, c'est merci de parrainer cette catégorie. Merci, vous avez tout à fait votre place. C'est normal. Non, oui, UBI, c'est les services aux aidants qui proposent bien sûr le ménage, le maintien à domicile, le jardin, et aussi c'est l'autonomie pour l'habitat, puisque maintenant nous faisons la pose et l'entretien de monte-escalier. Et ainsi que on transforme les baignoires avec des douches PMR. Tout ça avec un souci de proximité, c'est important d'ailleurs, hein, notamment à ces âges-là. Je dis ça parce que vous avez ouvert des agences un peu partout sur le territoire, Orthez, Asparin, cette année. Je crois que ce n'est pas terminé. Non, ça ne se termine pas puisque mes enfants sont en train d'apprendre la relève. C'est peut-être eux qui viendront l'année prochaine d'ailleurs. Et non, voilà, nous sommes présents pratiquement sur tout le sud-ouest et ça continue De fonctionner, en tout cas, avec ce souci d'apporter des solutions pragmatiques au quotidien. Je sais que vous avez plein d'autres projets également dans ces solutions du quotidien que vous proposerez. Je vais faire une annonce ce soir. Ah, allez-y. Mais on recrute. Ah bon ? Alors ça, d'ailleurs, vous êtes le seul. Pour travailler, non, voilà. Vous êtes le seul. C'est incroyable. On ne sait jamais, on recrute. Mais vous avez raison de le dire, parce qu'il y a énormément d'emplois dans ces domaines du service et qu'il faut évidemment les pourvoir pour les uns et les autres. Je profite. Non, mais vous avez raison de le faire. Voici les médiatiques qui ont marqué l'année. Regardez leur visage qui va apparaître sur le grand écran juste derrière moi. Des visages, des voix d'ailleurs. Celle de l'avocat Christian Saint-Palais, par exemple, qui, durant le procès des attentats du 13 novembre, a énormément fait parler de lui. Diego Sartou, qui fait un carton sur un réseau social TikTok. Jocelyne Boli, championne du monde de trail à 49 ans. Lisa Ricas, une autre championne, c'est pas le 15 féminin qu'elle a brillé, mais avec celui de la Confédération militaire. Marco Ravera Courage, mannequin qui a été recruté cette année par l'agence Elite, toute jeune. Michel Goya, expert incontournable de la guerre en Ukraine, dont le visage était présent sur de très nombreuses chaînes d'infos. Le chef étoilé Stéphane Carade, qui se relance pour une nouvelle étoile en B1, pour enfin une première étoile, devrais-je dire, en B1. Et puis Wilfried Lupano, le loup en slip, c'est lui, ainsi que de très nombreuses bandes dessinées qu'il commet. Et c'est une incroyable année qu'il a signée. Vous les applaudissez, s'il vous plaît. Vous avez une enveloppe ici même. Il doit y avoir marqué quelque part. On va faire notre ménage nous-mêmes. Médiatique, ben voilà, je vous laisse décacher l'enveloppe. Allons-y, le lauréat dans cette catégorie médiatique de l'année, sachant que ça a été extrêmement serré et que Nicolas Robert va nous rejoindre pour remettre ce prix. Je vois que Maître Lucie a bien scellé. Ah oui, c'est bien scellé. Ça, croyez-moi, c'est bien, bien scellé. Et le gagnant est. Suspense. Oui, gros suspense. Michel Goya. Michel Goya et le médiatique de l'année. Venez, mon cher Nicolas Robière, vous nous avez rejoint. Bonjour à tous. J'avais pas entreaperçu votre tenue de fête, dis donc. J'ai mis du brillant. Ben non, alors là, chapeau. Jean-Pierre Madère, c'est pour vous, le brillant. Vous avez annoncé, vous avez tenu parole. Celui qui a tenu parole également, même s'il ne pouvait pas être présent parmi nous, vous allez pouvoir lui parler avec cet écran qui est ici, mon cher Nicolas Robière. C'est notre lauréat qui, malheureusement, est retenu par ailleurs et dont nous allons retrouver le visage, qui, cela dit, est un visage bien connu pour celles et ceux qui suivent les chaînes info. C'est Michel Goya qui est avec nous en liaison. Bonsoir, Michel Goya. Est-ce que vous nous entendez bien, Michel? Oui, je vous entends très bien. Parfait. Nicolas Robière a quelques questions à vous poser. Allez, bonsoir. D'abord, un grand merci. Vous avez fait un tweet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Michel Goya, il faut le représenter. Une double page. Oui. C'est un enfant de Montaut, vous m'arrêtez si je me trompe, qui a fait l'armée, ancien des RPIMA. Vous avez fini colonel, je crois. Puis remarqué pour des ouvrages sur, on va dire, sur la guerre, hein, sur la stratégie.
et désormais consultant sur BFM depuis le début de la guerre en Ukraine. Moi, je vous suivais depuis très longtemps sur Twitter. Vous avez explosé médiatiquement, on va dire, avec cette guerre. Et vous avez fait un petit tweet quand on a dit que vous étiez nommé. Vous aviez dit « J'allais, enfant, je crois, hein, vous me rectifiez, à vélo chercher la REP le matin. » C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai, mais ce prix me touche particulièrement parce que j'ai un rapport particulier effectivement avec la République des Pyrénées. Quand je suis né dans une ferme du Béarn, à Montaut, la République des Pyrénées m'accompagnait quotidiennement, mais surtout, un jour, je suis tombé dans la ferme, je suis tombé sur un dossier, et ce dossier était plein de coupures de journaux. Et au sommet de ces coupures de journaux, qui étaient toutes consacrées à mon père était coureur cycliste, qui était renommé, je pense qu'il aurait eu le prix du Béarnais de l'année à son époque, dans la catégorie des sports. Et au sommet de cette pile, j'ai découvert un article de la République des Pyrénées qui datait du 26 mai 1962 et qui était titré « Luis Goya n'est plus mon père ». Il était inscrit un peu plus tard, mon père était tombé dans une course de vélo et il était inscrit sur cet article, j'ai toujours noté « Le sort est injuste, celui que de nombreux Béarnais pleurent aujourd'hui n'aura pas eu le bonheur de connaître son fils Michel, né 3 jours après son tragique accident ». Et donc je découvrais que j'étais dans la République des Pyrénées à l'âge de 1 mois, j'étais cité en même temps que la mort de mon père. Et donc, voilà, 60 ans plus tard, je me suis évidemment particulièrement honoré de ce prix, de me retrouver à nouveau cité par la République des Pyrénées, qui, comme vous l'avez souligné, m'a toujours accompagné durant mon enfance et mon adolescence dans la région. Alors nous, on est ravis de vous avoir aussi, parce que vous avez pris finalement médiatiquement une importance depuis quelques mois, finalement, avec vos interventions sur BFM, avec ce blog que je conseille aux gens de lire, La Voix de l'Épée, avec ce compte Twitter. Comment vous vivez cette... Vous êtes un militaire, vous avez bourlingué. Comment vous vivez ce nouveau statut médiatique, on va dire ? Alors, bon, c'est pas complètement nouveau. Alors oui, je vous l'ai dit, j'ai d'abord fait une longue carrière de militaire, alors, pas dans les RPIMA, mais dans les régiments d'infanterie de marine, les RIMA, essentiellement. J'ai quitté l'institution militaire il y a 7 ans maintenant. Je me suis consacré également à l'étude de l'histoire j'intervenais quand même régulièrement dans les médias, mais toujours, pour de mauvaises raisons, hein, parce qu'à chaque fois, c'était pour commenter une actualité qui est malheureusement, qui est forcément tragique. Voilà, avec le début de ce conflit auquel je ne croyais pas, que je ne croyais pas possible, mais qui a malheureusement eu lieu, j'ai été contacté par une chaîne de télévision, par BFM TV, pour commenter. Et comme les événements sont ce qu'ils sont, depuis 9 mois, j'étais quasiment presque tous les jours à commenter ces événements tragiques. Il y a une forme de notoriété, mais qui s'applique. Voilà, je veux dire autrement. Je préférais finalement qu'on ne parle pas de moi, car de ne pas apparaître. Car ça voudrait dire que les choses vont mieux dans le monde et qu'il y a moins de guerre dans le monde. Exactement. Et nous, on vous remercie pour l'hommage que vous avez fait à la REP, qui ressemble un peu à celui que fait Nadao quand il dit « on est de ces gens dont on parle quand on est et quand on meurt dans le journal ». Pour diriger ce journal et la rédaction, je trouve important qu'on puisse parler des gens, non pas quand ils meurent et quand ils naissent, mais aussi quand ils font des choses. Vous faites des choses avec Goya, vous avez une vraie attache avec le Béarn, on vous en remercie pour ça. On vous applaudit très fort en tout cas. Bravo à vous, regardez-le, trophée qui va vous être envoyé, empaqueté, et que Philippe Cascarère, symboliquement au nom du BI, vous présente ici même avec cette une sur laquelle on retrouve votre visage. Merci beaucoup et de très belles fêtes de fin d'année. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, je suis très honoré.
Merci beaucoup. Messieurs, je vous laisse regagner la salle. Vous conservez ça, vous l'emballerez, vous lui ferez passer. Je garde ceci. Et nous allons passer maintenant à la prochaine catégorie de cette soirée. Non sans que je vous ai rappelé au préalable que vous pouvez voter pour votre événement marquant de l'année. Vous continuez à envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou 8 d'ailleurs, au 06 44 63 07 14. Cela va réapparaître sur votre écran, je crois. Vous pouvez voter soit pour la solidarité envers l'Ukraine, justement, comme événement marquant de l'année, soit pour les 2022 de brebis qui ont défilé sur les Champs-Élysées portant haut et fort les couleurs du Béarn au mois de mars, pour les 120 ans de la section, la Coupe de France de l'an Béarnais, le retour gagnant du Grand Prix de Pau dans sa toute nouvelle version, Thèse, Ucep et Stévignac champion, l'inauguration du pôle culturel du Foirail, c'était le 30 septembre, et le renouveau du bassin de lac. Pour tout cela, pour gagner ces séjours de deux nuits pour 6 à 8 personnes dans l'un des gîtes du domaine de Tsingtao, dégustation de vin à la clé, visite de la propriété avec Pierre Sebaud et toute sa famille à la clé, vous allez être choyez et gâtez, n'hésitez pas à jouer. Vous avez jusqu'à demain soir, jusqu'à dimanche, 18h et lundi, dans le compte rendu de cette soirée, vous retrouverez votre palmarès. Quel est l'événement marquant donc de cette année? Catégorie solidaire, maintenant, je demande à Olivier Subral, directeur de Pau Béarn Habitat, bien vouloir me rejoindre. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Venez, mon cher Olivier. Pau Béarn Habitat, une nouvelle fois partenaire de cette catégorie solidaire de l'année. Vous êtes par là, venez. Venez, mon cher Olivier, je ne vous avais pas salué avant. Vous êtes pratiquement à domicile dans ce quartier parce que le passage Carnot, qui a été inauguré il y a quelques jours à peine, est un passage évidemment signé, siglé pour Béarn Habitat dans ses missions d'aménagement de la cité, de la grande cité, hein, puisque le périmètre est très très large. Mais c'est évidemment au regard de votre engagement vis-à-vis de vos locataires, de vos résidents vers l'accession à la propriété, que vous tenez à être le partenaire de cette catégorie solidarité. Hop, on va allumer votre micro. Ça y est, ça devrait l'être. Allez-y. Oui, pour nous, c'est bonsoir d'abord. Important d'être ici. On est fidèle à cette cérémonie des Béarnais, d'abord parce que on est très attaché à notre territoire, on le porte dans notre nom, hein, Pau Béarn Habitat, donc on ne peut pas faire mieux pour porter les valeurs d'un territoire. Et puis aussi, on a, Christophe Galichon disait tout à l'heure, une communauté de lecteurs pour son journal. Ben nous, on a une communauté de locataires, hein, puisqu'on a 16 000 locataires à Pau Béarn Habitat, on a un peu plus de 200 résidences. Ouais. Donc tout ça, ce sont des valeurs, la solidarité, effectivement, qu'on porte fort, c'est la générosité, le don de soi, et ça, c'est pour nous, c'est très important. Je ne peux pas passer outre, évidemment, une préoccupation qui nous concerne tous, qui concerne beaucoup de vos locataires d'ailleurs, celle, évidemment, des prix qui peuvent exploser, de l'inflation en général. Comment être encore plus attentif que l'on est déjà lorsqu'on a la position qui est la vôtre? Je pensais d'ailleurs qu'on allait le voir dans la rétrospective de l'année, cette inflation des coûts d'énergie que l'on subit. Il faut être inventif pour essayer de faire des économies d'énergie, essayer de faire passer les messages aussi auprès des locataires en disant mais l'énergie, on subit un petit peu les tarifs qu'on voit, l'inflation de ces prix, et nous on essaye de faire passer les messages pour dire comment on peut consommer moins, oui, dans des conditions habitables, évidemment, mais c'est un challenge important, et pour l'année 2022 je pense que ça marquera effectivement les conditions de vie des locataires, évidemment. Et 2023, évidemment, avec beaucoup de projets qui restent en cours, vous concernant côté Pau Béarn Habitat. Alors, on a trois projets en cours. On a d'abord, on finit un gros projet sur le quartier Saragosse, bien sûr, avec la livraison au mois de mars de ce pôle ARR, qui est quand même un pôle de centralité très important sur ce quartier de Saragosse, qui est en total renouvellement. Donc ça, c'est, pour nous, c'est bien. Le passage Carnot, vous l'avez dit, hein, qui va prendre son essor sur 2023, qui a été inauguré il y a quelques jours. Mmh. Et puis, c'est aussi le projet pour Pau Béarn Habitat d'installer son siège social en centre-ville, dans l'immeuble de la Poste, que tout le monde connaît bien, un immeuble qui est entièrement en vide, dans les étages notamment. Donc pour nous, c'est bien aussi, c'est un signal que le centre-ville aussi de Pau se transforme, et donc d'apporter aussi de l'activité, et pour nous, c'est important. Voici les nommés dans cette catégorie solidaire. Il aurait pu y avoir beaucoup d'autres noms d'ailleurs qui figurent dans cette catégorie. Ce qui est assez remarquable, Olivier, c'est que certains noms sont finalement des porte-drapeaux d'actions beaucoup plus globales que leur simple personne. C'est tout Bamba et le groupe Lumière à Housse des Bois a fait une action tout à fait remarquable cette année, une de plus. Franck Ostens, pilier du handiski à la Pierre Saint-Martin, Geneviève et Daniel qui font partie de ce nom incontournable de bénévoles qui font marcher l'épicerie à Sarcastet, la grande famille du Nid Béarnais, la générosité
donneurs de voix à travers Dominique Brault, mais toutes les autres voix qui permettent aux malentendants de suivre de très belles histoires. Lisa Lopez, TikTokeuse, qui milite beaucoup contre Alzheimer. Marilyn Dupuis, qui roule à moto contre le cancer. Et Paola Paravano, qui a dédié sa vie aux plus fragiles. Vous les applaudissez, s'il vous plaît. C'est nommé dans la catégorie Solidarité. Un seul nom pourtant va sortir de cette enveloppe, on convient bien cacheter par Maître Fournier. Je vous en prie, il s'agit. Oui, je suis très fier de rendre ce prix en fait à la famille qui est le Nibéarnais. Le Nibéarnais, lauréat de cette catégorie, toute une grande famille. Vous avez raison d'employer ce mot, mon cher Olivier Soubras. Vous avez raison d'employer ce mot. Parce que c'est un fil rouge, on va allumer la lumière s'il vous plaît pour que nos amis du Nibéarnais puissent regagner le point qui va leur permettre tout à l'heure de descendre ce grand tapis rouge. Je voudrais juste citer également la générosité des donneurs de voix à travers Dominique Brault parce qu'ils ont recueilli de très nombreux suffrages, ainsi que Lisa Lopez, une nouvelle génération dans le domaine de la solidarité qui s'exprime sur TikTok et qui lutte contre Alzheimer. J'aimerais que vous applaudissiez, ils ont terminé deuxième et troisième de cette catégorie. Et encore une fois, c'est peut-être dans cette catégorie se trouve d'ailleurs le Béarnais de l'année. Nous allons le voir dans quelques petites minutes. Alors, avant qu'il nous rejoigne sur scène, j'aimerais maintenant qu'on marque une parenthèse qui va vous faire plaisir, mon cher Olivier, parce qu'on se connaît nous aussi depuis des années. Je sais à quel point, depuis des années, vous avez été attentif à l'évolution de l'orchestre de Pau. Ça fait 20 ans maintenant que Faisal Karoui a rejoint le Béarn pour évoquer ce 20e anniversaire de l'orchestre de Pau, ses différentes actions, ses projets. Je vais demander à son directeur général de bien vouloir me rejoindre, Frédéric Morando, pendant qu'on va se permettre de remonter quelques jours auparavant, quelques semaines auparavant. Frédéric va nous rejoindre ici même. Nous étions le 30 septembre, ici, dans cette même salle. Et quelques heures, attendez deux secondes s'il vous plaît, un peu trop tard, allez-y. Allez-y. Frédéric d'abord nous rejoint. Vous applaudissez Frédéric Morando s'il vous plaît. Venez mon cher Fred. Je le disais, j'ai beaucoup d'émotion à vous recevoir parce que le 30 septembre dernier, vous et moi d'ailleurs, nous étions à peu près à cette même place sur cette scène que vous découvriez quelques heures avant en PED avec toute l'équipe de l'orchestre, avec Faisal Karoui évidemment, pour recevoir le président de la République pour cette inauguration officielle du foirail, une promesse d'ailleurs qu'avait adressé Emmanuel Macron à François Bayrou. Et nous étions là, alors chacun à nos postes respectifs, pour œuvrer pour cet événement marquant de la vie paloise. Et à peu près à ce même endroit d'ailleurs, nous évoquions le chemin parcouru de ces 20 années d'orchestre de Pau Pays de Béarn, ici sur ce territoire. Avant d'en parler, on revient le 30 septembre. Regardez, c'était ici sur la scène du foyer et le président de la République. Monsieur le président de la République, merci d'être là.
l'orchestre de Pompéi de Béarn, au Foirail, ici. Frédéric, il faut préciser que là, nous jouons dans une configuration qui n'est pas tout à fait la configuration que vous utilisez d'habitude ici au Foirail, puisqu'il manque la fameuse conque acoustique qui en fait toute la richesse, toute la splendeur. Ce qui est fantastique avec cette salle dans laquelle nous sommes ce soir, c'est que c'est une salle qui peut accueillir de façon extrêmement qualitative un orchestre symphonique, mais aussi de la danse et du théâtre avec nos amis d'Espace Pluriel, mais aussi la saison théâtrale, mais aussi du jazz, mais aussi du hip-hop, puisqu'il y a même eu la soirée, etc. Et tout ça, ça a été énormément de travail avec les services de la ville et avec les architectes et avec les acousticiens. Et c'est vrai, lorsque l'orchestre joue, il y a une conque ici qui s'installe avec un ciel et puis des latéraux et un fond. C'est beaucoup de travail d'ailleurs pour les techniciens pour la monter et la démonter. Mais c'est grâce à cette conque que cette salle ici au Foirail est devenue, je pense, une des plus belles acoustiques du Sud-Ouest. On va quand même avec l'orchestre aller tester l'auditorium de Bordeaux en mars prochain. Je vous reconnais bien là. Mais on est déjà très fiers. Je vous reconnais bien là. Quel chemin parcouru depuis plus de 20 ans d'ailleurs, hein, pour être tout à fait franc. Moi, je me souviens de Fessal venant nous présenter dans ce qui était d'ailleurs l'ancêtre de cette soirée que nous faisions aux Édites de Pau à l'époque, qui s'appelait Pau Notre Passion, qui est à peu près le même concept, mais qui était limité à Pau. Olivier était déjà là à l'époque. Je me souviens de Fessal arrivant ici, c'est André Labarrière qui était à l'époque évidemment au commandant de la ville, et qui disait, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, mais on a beaucoup d'ambition, on va faire du mieux possible. Quel chemin parcouru depuis? Bah, je voudrais rebondir, d'abord le féliciter, mais c'est vrai que quand j'ai vu M. Batt gagner avec ses presque bientôt 45 000 arbres, ouais. Je crois que c'est la plus belle image de ce que Fessal et André Labarrère ont fait depuis à l'origine et de ce qu'on continue à faire, c'est-à-dire planter une graine, planter un arbre. Et je crois que cette histoire de l'orchestre de Pau, ce qui l'a défini le mieux, c'est ça, c'est cet arbre avec des racines qui sont extrêmement profondes maintenant en Béarn, alors que ni Fessal ni moi, nous n'étions béarnais, mais c'est un territoire d'accueil. Eh bien, cet arbre, il donne un tronc de plus en plus solide et puis des branches merveilleuses. Vous avez vu les caminos, par exemple, tout à l'heure. Il faut savoir que les enfants que vous avez, les jeunes, hein, que vous avez entendus jouer tout à l'heure, ils ont débuté avec nous en 2015. Et ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est une de nos plus grandes fiertés, puisque c'est une vingtaine des pionniers, on appelle ça les pionniers, qui se sont fédérés en association et qui sont totalement autonomes. Alors on continue à les aider, mais ils sont devenus complètement autonomes et la musique est maintenant au centre de leur vie. Et je crois que c'est ça, les racines de cet arbre, de l'orchestre de Pau, c'est d'avoir eu l'utopie incroyable et de continuer à avoir l'utopie incroyable, que la culture, ça n'est pas quelque chose qu'on met au bord, c'est quelque chose que l'on met au centre, comme cette salle qui est au centre de la ville. Cette salle, d'ailleurs, représente une étape supplémentaire, Frédéric, pour l'orchestre. On va le dire, ça fait longtemps que vous réclamiez, vous avez été très heureux au Palais Beaumont. D'ailleurs, on était aussi à l'inauguration ensemble, oui. D'ailleurs, pour lancer cette salle au Palais Beaumont. Mais depuis le début, il y avait ce projet de voir plus grand lorsque le public allait répondre présent. Et c'est vrai que le public a répondu présent toutes ces années. C'est de voir plus grand et c'est de voir plus qualitatif. Plus qualitatif. Parce qu'une salle de spectacle, c'est évidemment avant tout, et on a énormément travaillé pour satisfaire les gens qui viennent écouter l'orchestre. Mais une salle de spectacle, c'est également le lieu de travail des musiciens. Et un orchestre qui progresse, un orchestre de très haut niveau, un petit peu à l'instar d'un club de foot, par exemple, doit travailler quotidiennement dans une salle de grande qualité. Et moi, je me souviens que le 29 septembre dernier, la veille de la venue du président de la République, la première fois que l'orchestre s'est installé sur ce plateau pour répéter, les musiciens sont sortis de répétition en disant « on va énormément travailler ». Et c'est ça qui était merveilleux, c'est de se dire que quand on met des musiciens aussi exigeants que les merveilleux musiciens de l'orchestre de Pau dans un endroit aussi qualitatif que celui-ci, leur premier réflexe, c'est pas de se dire « oh ben c'est super, ça sonne bien », c'est de se dire « ici, on va encore aller plus loin, on va encore plus progresser, parce que tout s'entend, parce que le son est beau et qu'on a envie d'être encore meilleur ». Et c'est vraiment, je vais pas, il y a plein d'autres choses à faire après moi, donc je vais pas rester longtemps, mais je voulais vraiment dire à quel point l'orchestre de Pau est heureux d'être enraciné ici et à quel point il est fier d'être un des ambassadeurs du territoire lorsqu'on va jouer à la Folle Journée, à la Philharmonie de Paris, etc. On part toujours avec vous tous. Vous allez applaudir l'orchestre de Pau hors de la salle du Foirail bientôt pour le traditionnel concert du Nouvel An, concert anniversaire.
Est-ce qu'on peut en dire plus déjà sur le programme? Alors, on peut en dire beaucoup sur le programme. On peut dire aussi, pardon de faire un peu de pub, mais il reste des places. Vous avez raison de le faire. On fait 3 concerts du Nouvel An le samedi et le dimanche 7 et 8 janvier, 17h le samedi, 11h et 17h le dimanche. On a vendu déjà à peu près 5000 billets, mais il en reste à peu près 3-4000. Et ça va être un concert anniversaire, surprise. Cette saison anniversaire, on n'a pas souhaité faire tous les concerts. Hein, on a souhaité faire un gros focus sur le concert du Nouvel An, qui est quand même le concert le plus populaire de l'orchestre. Il y aura des choses, j'espère, assez drôles. Il y aura des choses très émouvantes. Il y aura beaucoup de surprises. Et puis, il y aura un ami de toujours qui va nous accompagner, Jean Manifassier, et qui va mettre très longtemps à comprendre ce qui se passe. Et j'espère que c'est ça qui va être drôle. Vous applaudissez, s'il vous plaît, Frédéric Morando. Rendez-vous au Zénith, rendez-vous ici pour entendre, écouter, apprécier l'orchestre, peut-être comme rarement vous avez pu le faire avec de très belles dates programmées. C'est une belle saison en plus, une très belle saison que vous avez au programme. C'est la moindre des choses. Mais je vous en remercie. En tout cas, merci d'être là. Vous applaudissez Frédéric Morando, s'il vous plaît. Merci, mon cher Frédéric, pour ce coup de chapeau bien mérité. Pour ce coup de chapeau bien mérité. Voici les représentants plutôt d'une grande famille, plutôt discrète d'ailleurs, hein, derrière le centre hospitalier, et qui pourtant est un établissement dédié aux enfants, aux adolescents polyhandicapés, qui fait beaucoup et qui œuvre beaucoup. Ils méritent tout à fait leur trophée catégorie solidaire. Vous applaudissez le Nibernais, s'il vous plaît. Éric Belli les accompagne. Vous avez besoin d'un micro, vous, je sens. Je sens que vous avez besoin d'un micro. Tenez, vous avez pris celui-ci. Parfait. Merci d'être là au nom de cette grande famille. Je crois que ça a énormément touché les lecteurs et le jury. Oui, tout à fait. Il y avait vraiment une vraie volonté à la fois du public et du jury de mettre en lumière cette grande famille dont on ne parle pas beaucoup, qui est celle du Nibernais. Et nous accueillons donc ce soir la directrice Valérie Irigaray. Alors, que signifie pour vous ce prix et cette reconnaissance du public et du jury? Ce prix, justement, voilà, c'est une vraie reconnaissance du travail des 90 quasiment professionnels du Nibernais, des professionnels compétents et investis au quotidien pour s'occuper de tous ces enfants. Voilà. Oui, je crois que vous m'avez dit en coulisses. Oui, j'aimerais aussi que ce prix serve à mettre en valeur tout le travail que font les soignants. On a vu qu'ils étaient souvent en souffrance dans la période qu'on vient de vivre. Donc ce prix, pour vous, c'est mettre en lumière tout ce travail-là aussi. Exactement, cette reconnaissance, ça permet de conforter le sens au travail qu'ils mettent tous les jours. Et on sait que le sens au travail des soignants ces 2 dernières années a été mis un petit peu à mal. Et de conforter leur raison professionnelle de venir tous les jours dans des conditions compliquées parfois. C'est une vraie reconnaissance et je suis très fière pour eux. Alors on a dit que le Nibernais était une grande famille. Est-ce que vous pouvez en décrire les différentes composantes? Il y a beaucoup d'associations aussi qui travaillent autour. Alors avant même de détailler tout l'environnement, je voulais préciser que la Croix-Rouge française, bon, c'est une association nationale que tout le monde connaît. On connaît ses valeurs. C'est elle qui gère le Nibernais. Absolument. C'est voilà, bon. C'est ça, c'est l'organisme gestionnaire. Tout le monde connaît ses valeurs et son engagement dans l'humanitaire, par exemple. Mais le grand public ne sait pas souvent que la Croix-Rouge française gère presque 700 établissements en France dans différents domaines, dont le Nibernais, à Pau. Donc c'est vrai que je voulais aussi profiter de ce temps de parole pour remercier les associations locales qui sont solidaires aussi, puisqu'on parle de solidarité, avec le Nibernais, qui œuvre tout au long de l'année pour, en faisant des actions et apporter des moyens financiers pour acheter du matériel spécifique ou des activités, tout cela pour améliorer le quotidien des enfants. Donc ça c'était un petit merci. Alors donc si je peux les citer, oui. Il y a l'Estelada qui nous soutient depuis plus de 10 ans, le Lions Club Pays des Gaves, les Kiwanis Jeanne d'Albret, l'association Orène Irinois, toutes ces bénévoles qui participent aussi au bien-être des enfants. Donc ce que je voulais dire aussi c'est que c'est le sens au travail, c'est un sens collectif.
Et il y a près de 90 personnes qui travaillent au Nibernais. Il y a le personnel médical, le personnel de rééducation, avec psychomote, kiné, ergo, orthophoniste, tout un panel de professionnels, un service éducatif, des soignants, des auxiliaires de puériculture, des aides-soignantes, des infirmières. Mais il y a aussi le personnel hôtelier et le personnel administratif. Et on travaille tous dans un objectif, c'est accueillir au mieux et avoir une prise en charge de qualité pour les enfants. Et c'est l'ensemble de ces personnes qui sont évidemment récompensées au travers de ce trophée que va vous remettre Olivier Subrat. Vous les applaudissez, s'il vous plaît. Le Nibernais, le réel de cette catégorie solidaire, bravo. Et puis c'est très bien d'avoir parlé de toutes les associations qu'il y a évidemment autour du Nid et qui font partie de cette grande famille qui a touché les membres du jury. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner les coulisses et je vais maintenant demander à Jacques Pédéronta pour le conseil départemental de venir me rejoindre. Les dernières catégories de la soirée, il nous reste à parler espoir, les ambassadeurs évidemment, puis nous découvrirons qui vous avez choisi pour être les Béarnais de l'année. Vous applaudissez le conseil départemental. Jacques Pédéronta, parrain de la catégorie espoir. Venez me rejoindre mon cher Jacques. La politique jeune du conseil départemental, évidemment, en rapport avec ces espoirs dont on va découvrir dans quelques instants le portrait qui ont marqué l'année. Alors attention, on a de vraies petites graines de champions qui vont nous rejoindre. Je sais que vous êtes toujours très attentif, mon cher Jacques, avec les autres élus du conseil départemental, à l'émergence comme ça de ce talent, quel que soit l'endroit où il jaillit dans le département. Oui, écoutez, 1, 2, 4. Avec le bouton vers le haut, ouais. Ça va être mieux. Allez-y. Oui, vous allez voir tout seul. Oui. Ben, ça y est. Oui, non, voilà. Bon, d'abord, je veux excuser Jean-Jacques Lasserre qui ne pouvait pas être là et que je représente. Et vous dire que le conseil départemental, depuis le début de cette manifestation, est normalement et auprès de vous, oui. Chaque année, auprès de la République, parce que c'est une très, très belle soirée. Bon, le conseil départemental, on ne le sait pas trop, mais on a toujours du mal à dire ce qu'on fait. Les élus ont une image qui est scalée. Et pourtant, il y a Alain Sens qui est dans la salle, le président des maires du département aussi. Et je veux dire simplement que les maires et les conseillers départementaux sont les élus de proximité qui œuvrent dans l'intérêt. On l'a vu tout à l'heure avec M. Basse et Jacques Bourguet, qui, je crois, est dans la salle et qui soutient cette plantation à côté de mon village, d'ailleurs, à Villeneuve-d'Avarens. Voilà, c'est aussi ça, les élus. Et le conseil départemental a un champ très, très vaste de la solidarité, bien sûr, mais de l'agriculture, du sport, de la culture. Et c'était bien normal qu'on soit auprès de vous. Et de la jeunesse. Et de la jeunesse. Et de la jeunesse. Et j'ai beaucoup aimé les propos de M. Galichon tout à l'heure aussi, de dire que, voilà, de la même manière que La République et L'Éclair sont des journaux du quotidien et qui mettent à l'honneur les héros du quotidien, mais pour le conseil départemental, c'est le même job, c'est d'être auprès de tous ces héros du quotidien. Et le Béarn n'en manque pas, et les prix précédents et la catégorie que je représente va l'illustrer également. Regardez d'ailleurs les 8 finalistes dans cette catégorie. Elle a brillé au Mondiaux de cheerleading en Floride. Clarisse Renaud était nommée dans cette catégorie. Corentin Milleroux, 15 ans, a recréé le Grand Prix de Pau, mais cette fois-ci en jeu vidéo sur une plateforme bien connue dans le monde entier. Les jeunes lycéens palois de Saint-Cricon triomphent eux avec leur robot en Thaïlande dans un championnat du monde également extrêmement relevé. Lise Albart, Camille Rebol sont 2 médaillés d'or aux Olympiades des métiers. Marc Larry, lui à 8 ans, est médaillé champion du monde d'échecs. Matteo Attard est meilleur apprenti de France, chocolatier conviseur, 2e MOF, meilleur apprenti nommé. Pierrine Centraille, reine de l'éloquence à la Sorbonne à l'âge à peine de 14 ans. Quentin Poncelet, le nouvel os du jumping, étudiant en droit, mérite vos applaudissements, s'il vous plaît. Qui est élu? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 enveloppes, si tout va bien. Les Béarnais, les espoirs. Voici les espoirs. Vous décachetez l'enveloppe, mon cher Jacques, pour donner le nom du vainqueur de cette catégorie. Il y avait du beau monde, d'ailleurs. Ça laisse présager un très, très beau futur pour ce territoire. Et le gagnant est? Et le vainqueur est Marc Yari. Marc Yari. 8 ans et champion du monde d'échecs. Il va rejoindre Eric Belli ici même.
Il a marqué l'année 2022, restera une année forte pour lui. C'est l'occasion de revoir maintenant les autres événements qui ont marqué l'année depuis le mois de juillet. Il est tout heureux, Marc, avant de nous rejoindre ici même. Clin d'œil avant à Matteo Attard, qui a été meilleur apprenti de France chocolatier confiseur et qui a recueilli également énormément de suffrages. Et Quentin Pansoulet, le nouvel as du jumping étudiant en droit, respectivement deuxième et troisième de leur catégorie. Vous les applaudissez, s'il vous plaît. La rétrospective, partie 2 de l'année. Allons-y. Multiples dans le monde agricole. Donc on va avoir un problème d'approvisionnement. Ce mois de juillet 2022 a été important pour beaucoup d'entre nous et pas simplement pour ceux qui étaient en vacances. Après 2 ans de pause forcée, les festivals de musique et les grandes fêtes estivales effectuent leur grand retour de Pyrénées à Bordes aux transhumances musicales de Las, en passant par le feu d'artifice du 14 juillet à Pau ou les fêtes patronales comme les fêtes d'Orthez, très attendues. On retrouve aussi en dehors du Béarn, mais avec beaucoup de Béarnais présents, la folie et la communion des emblématiques fêtes de Pampelune et de Bayonne et leurs centaines de milliers de personnes. L'ambiance est chaude en ce mois de juillet, y compris au sens propre du terme. Un nouvel épisode de canicule est annoncé, une fournaise difficile à supporter, des mesures de restriction d'eau sont mises en place, le risque d'incendie est à son maximum, ceux de Gironde sont perceptibles jusque dans les Pyrénées-Atlantiques. Au Pilat-sur-Mer, le camping du Palois Stéphane Carella est entièrement détruit par les flammes. Côté sport, à l'élan béarnais, l'incendie au sens figuré cette fois est en passe d'être éteint. Les Américains de CSG s'en vont et un repreneur Viaro, Sébastien Ménard, se présente. Un scénario inespéré, validé par la fédération, mais le défi de la reconstruction est immense. Le Pau FC fait également beaucoup parler de lui en début de saison avec l'arrivée de Quang Hai, surnommé le Messi vietnamien et suivi par des millions de personnes dans son pays natal, un véritable tourbillon médiatique. Pour une fois, le Tour de France ne monopolise pas l'attention en ce mois de juillet. La grande boucle se contente en effet d'un crochet par le Béarn, la Reims et le Col d'Aubisque, mais les fans sont au rendez-vous. C'est une belle histoire d'amour d'ailleurs, donc effectivement c'est symbolique, mais il y a un vrai attachement autour de France à la Reims. Août est un peu moins chaud que juillet, mais toujours pas de pluie, le manque d'eau se fait sentir, des mesures de restriction sont prises dans plus d'une centaine de communes du département, les cours d'eau s'assèchent de façon spectaculaire et les champs de maïs commencent à griller sérieusement, le monde agricole est en état d'alerte maximale, le débat sur la sobriété énergétique s'impose dans le paysage estival, les activités consommatrices d'eau sont interrogées, golf, maïsiculture, arrosage, des pelouses sportives, piscines chez les particuliers. De plus en plus de collectivités s'engagent également dans la réduction de l'éclairage public. Voilà qui n'empêche tout de même pas les festivités de se poursuivre. À Pau, avec l'été à Pau ou Estivoc, à l'Escar pour les 40 ans d'Emmaüs avec le rappeur Aurel San, à Lembeil ou à Monin, où une foule incroyable afflue après 3 années d'absence. Au Hameau aussi, on fait la fête, mais pour une fois, c'est pour soutenir les joueurs de la section en rugby à 7. Plus de 9000 personnes poussent derrière l'équipe lors de l'étape locale du Super 7, des Palois qui évoluent avec les couleurs du Béarn. En septembre, le rugby à 15 prend le relais, la section a faim et ça tombe bien puisque Toulouse se présente au Hameau très vite dans le top 14. Les Palois, sublimes d'engagement, remportent une victoire de prestige. En ce mois de septembre, bizarrement, on pense déjà à l'hiver et aux moyens de se chauffer. Les Béarnais se ruent sur les granulés et sur le bois de chauffage alors qu'il fait encore 30 degrés à l'ombre. Pénurie aussi de carburant dans les stations Total, dévalisées en quelques heures par les automobilistes attirés par la ristourne de 20 centimes du pétrolier. Panne sèche aussi au niveau des lacs et des cours d'eau. Les lacs des barrages sont au plus bas. Les photos du lac de Fabrège sont impressionnantes. Certains craignent déjà des coupures d'électricité pour l'hiver à venir.
La rentrée paloise est marquée par deux événements, la foire de Pau, part à la conquête de nouveaux publics et accueille pour son deuxième week-end un salon agricole et un concours interrégional de vaches Primolstein, salué par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Pour inaugurer le foirail et la salle de spectacle qui nous accueille ce soir, le président de la République, Emmanuel Macron, fait le déplacement en personne. Une inauguration très orchestrée avec le concours de l'orchestre de Pau et du Pays de Béarn, dirigé par Faisal Karoui. Les jeunes musiciens d'El Camino pour accompagner cette inauguration officielle. Mais le scoop du moment est le fait d'une équipe d'une dizaine de chercheurs qui sont parvenus à reconstituer le larynx d'Henri IV à partir d'un scanner de sa tête momifiée. Ils pourraient arriver à la faire parler dans les semaines qui viennent. Le sujet des économies d'énergie s'invite dans les foyers béarnais. Tout le monde cherche des astuces pour faire face à la hausse du coût du gaz et de l'électricité. D'autant que côté impôts, la taxe foncière s'emballe également en Béarn et que les prix du panier des courses alimentaires ne cessent d'augmenter, ce qui amène pas mal de consommateurs à être tentés par le discount. La météo presque estivale la plupart du temps permet à tout le monde de retarder le moment d'allumer le chauffage. Le sultan Benyam Armissol n'a surtout pas besoin, lui non plus, d'allumer le chauffage à la Réunion lors de la Diagonale des Fous. Là-bas, il lâche les chevaux et réussit l'exploit de s'imposer dans cet ultra-trail mythique. Autre exploit, celui de la section paloise qui, après avoir connu un trou d'air, se relance en allant s'imposer de façon brillante sur le terrain des champions d'Europe, La Rochelle. L'actualité n'a pas toujours été rose en 2022 et c'est un euphémisme, mais nous avons décidé d'achever cette rétrospective par quelques bonnes nouvelles. C'est Noël avant l'heure pour le bassin de Lac qui enchaîne les annonces positives. Un investissement de 100 millions d'euros de Toray dans la fabrication de fibres de carbone. Le projet d'Alpha Kittine d'une méga usine de 25 000 m² et 250 millions d'euros. Et l'inauguration d'un nouveau bâtiment de 2700 m² pour M2i. De bonnes nouvelles encore avec la course à pied, la féminine qui refait le plein avec 3000 participantes dans le quartier de Saragosse, mais aussi avec la 8e édition des Idées Mènent le Monde qui attire 30 000 personnes au Palais Beaumont. Bonne nouvelle encore pour les chasseurs de palombes avec une saison exceptionnelle dans le département et 3 millions de palombes qui franchissent les Pyrénées. Les Pyrénées, nous les avons franchies pour vous en cette fin d'année en vous proposant un supplément de 20 pages Béarn-Aragon inédit en collaboration avec les rédactions aragonaises. Parmi les thèmes abordés, la question du tourisme durable et la construction d'un avenir tout aussi durable pour nos stations. Beau cadeau aussi, ce livre-événement sur les 120 ans de la section que nous avons co-réalisé avec le club. Dernière bonne nouvelle, cette étude d'audience nationale qui montre que les liens de nos titres papier et numérique ne cessent de se renforcer avec vous, nos lecteurs. Plus de 35% de progression en 2022, soit la 6e plus forte progression de tous les médias en France. Nous profitons donc de cette soirée pour vous adresser un énorme merci. Événements de l'année 2022. Eric Belli en motarin, Adeline pour les réalisations à plateau. Merci à Plateau Télé, merci beaucoup en tout cas. Alors bien sûr, parmi tous ces événements marquants, il y a également celles et ceux à qui nous voulons rendre hommage ce soir. Vous avez parlé, mon cher Jacques Pédonta, tout à l'heure du rôle des élus. Georges Labazé, ancien député, sénateur, premier président socialiste de l'histoire du Conseil départemental, nous a quittés cette année. James Chambaud, le maire emblématique de Lons jusqu'en 2014, président du POFC. Jean-Maurice Cabane également, adjoint à la mairie d'Oloron, Sainte-Marie, nous a quittés cette année. Jean-Pierre Malavirade, ancien maire de Portet, durant 4 mandats, il a incarné ce village. Nous pensons évidemment à Marc Pédelabat, le maire de la commune de Carrère. Dans d'autres domaines, outre les élus, des personnalités, des figures marquantes nous ont quittés cette année. Jean-Pierre Cazadebé, l'ancien avocat bâtonnier de 2007-2008, adjoint à la mairie de La Reims d'ailleurs également. Nous pensons également à Jean-Louis Arangeau, grand amoureux des cimes qui est à l'origine de la création du mur à Oloron. Nous pensons évidemment ce soir à Gérard Lhomme, ex-président de la section paloise. Nous pensons ce soir à ces trois alpinistes chevronnés, à ces trois passionnés, ces trois piliers parmi les montagnards, devrais-je dire plutôt, Patrick Caria, Roger Porto, à André Vigneault qui nous ont quittés. Et puis,
Et puis, évidemment, la famille de Pyrénées Presse, Jean-Claude Despaux, qui a officié longtemps à la rotative, ô combien incontournable pour ce journal, et une signature, une plume, René Leloré, ancien rédacteur en chef adjoint de la République des Pyrénées, de l'Éclair également, qui nous a quittés cette année. La liste n'est pas exhaustive, et nous pensons à chacune et à chacun de celles et ceux qui ont marqué l'histoire du Béarn en leur dédiant ces applaudissements bien mérités. Je vais demander à un jeune champion de nous rejoindre. C'est la jeune génération qu'on va mettre à l'honneur maintenant, accueillie par la jeune génération des journalistes en Bretagne, à venir nous rejoindre sur scène. Vous applaudissez Marc Larry, 8 ans, champion du monde d'échecs. Viens ici, mon grand. Viens par là. Moi, je suis fier de te voir. Bravo, félicitations. 8 ans, champion du monde d'échecs. Alors nous, on est champion du monde d'échecs aussi dans d'autres domaines, pas tout à fait les mêmes, mais toi par contre, c'est dans le must du must hein, que tu officies. Je sais que tu as beaucoup impressionné Ambre qui est ici. Vous ne jouez pas aux échecs, vous? Alors non. c'est quoi le prochain objectif quand à 8 ans, on est déjà champion du monde d'échecs? Je veux être le plus jeune grand maître. Le micro. Le plus jeune, attends, faut que tu parles bien près du micro. Hein. Voilà, oui, ça peut aider. Le plus jeune grand maître. Le plus jeune grand maître, et alors ce serait être grand maître à quel âge? Le plus jeune, je crois que c'est 12 ans. Et j'ai... Oui, t'as 4 ans encore pour y arriver. Attends, c'est ouais. À l'aise. Faisable. Où est-ce que... Attends, on va commencer dans l'ordre. Où est-ce que tu habites? Dans quelle ville? À Pau. À Pau. Tu parles bien près À Pau. À Pau. Tu vas où à l'école? Je vais pas à l'école, je suis à l'école à distance. Ah, t'es à l'école à distance. Très bien. T'as commencé à jouer aux échecs à quel âge? Mon père m'a appris la marche des pièces à 2 ans. À 2 ans? Oui. Et après, je suis rentrée en club à 5 ans et demi. Et justement, aujourd'hui, où est-ce que tu joues le plus? C'est quoi ton club? Mon club, c'est l'échiquier Henri IV. J'aimerais qu'on applaudisse également l'échiquier Henri IV parce que c'est une école de champions, Ambre. Hein. Exactement. Qu'est-ce qui te plaît, Marc, dans les échecs? Les combinaisons. Les combinaisons, c'est-à-dire? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, si moi je te dis que je ne sais pas ce que c'est les échecs? C'est un enchaînement de coups jusqu'à... Jusqu'à gagner? Ouais, quelque chose qui gagne, quoi. Oui, évidemment, quelque chose qui gagne. Bien sûr. Ces enchaînements de coups, comment est-ce qu'on les apprend? Il faut calculer. Oui, j'ai bien compris, il fallait calculer, mais... Des coups à l'avance. Des coups à l'avance? Oui. C'est-à-dire, il faut deviner ce que va faire l'autre, c'est ça? Ouais, il faut calculer plusieurs coups. Mais comment on fait pour deviner ce que va faire l'autre? Nous, des fois, pour deviner, comme d'ailleurs quelques champions, j'ai bien compris, on est un peu aidés. Mais toi, par contre, comment tu fais pour deviner? On ne peut pas savoir ce que l'autre va jouer, mais on peut calculer plusieurs coups. Tu ne veux pas nous donner ta façon de faire, quoi? Bah, il faut calculer. Oui, il faut calculer, j'ai bien compris. Non, mais j'ai bien compris. Où est-ce que... On a bien compris ton objectif. Où est-ce qu'a lieu le prochain championnat? Parce que tu es allé où gagner, ça? Et parce que je précise quand même que... Alors, tu es champion du monde, mais tu es aussi vice-champion d'Europe, c'est ça? Tu me confirmes? Et aussi vice-champion de France. Et aussi vice-champion de France? Oui. Du coup, c'est quoi le prochain objectif? C'est quoi la prochaine compétition? J'aurai le championnat de France. Je sais même plus. Il faut calculer. Bientôt. Je crois que c'est en avril, mais. En avril? Ouais, Ah, mais ça approche. Oui, c'est en avril. Et alors, ça te fait voyager, là, le fait de faire toutes ces compétitions? Ah oui, je suis allé en Géorgie pour aller au championnat du monde. Attends, c'est pas rien. Et la prochaine. Et le vice-championnat. Le championnat d'Europe en Turquie. Pas rien. C'est qui, pour toi, le joueur le plus incroyable que tu suis? Le plus fort, mes joueurs préférés, c'est Magnus Carlsen, Kasparov, Miral Tal. Oui. C'est déjà pas mal. Shirov. Oui, bien sûr, c'est déjà pas mal. Oui. Et t'as d'autres passions dans la vie que les échecs? Tu joues combien d'heures par semaine aux échecs? Échecs, c'est variable normalement. Combien? Je joue tous les jours. Hein. Ouais, mais tous les jours. Une heure par jour? Deux heures par jour? Deux heures au moins. Plus, oui, au moins, oui, d'accord. Au moins. On m'a dit que tu faisais aussi beaucoup de sports. Tu peux nous dire tous les sports que tu fais, Marc? Tennis de table, cesta punta, tennis, karaté, et après je fais de la musique, guitare et piano. Est-ce que tu dors? Est-ce que tu as le temps de dormir? Oui. Je pense qu'on peut l'applaudir. Je dors quand même.
Et on va rappeler que tu as 8 ans surtout. Bravo. Je vais avoir 9 ans en janvier. Alors. 9 ans en janvier. Hé, hey, Ambre, 9 ans en janvier, c'est pas 8 ans. C'est 8 ans 3 quarts. C'est 8 ans 3 quarts. C'est 8 ans 3 quarts. Le 8 janvier, donc ça approche quand même. Ouais, ça approche, oui, ça approche. C'est qui, avec qui tu joues le plus dans ta famille, pour terminer? Papa, maman, c'est qui t'accompagne le plus? En fait, maintenant, je joue avec des coachs. Ah oui, pardon, oui. Et avec des joueurs en ligne, en fait. Ah, et des joueurs en ligne? En fait, il y a des sites où on peut jouer avec des gens. En étant prudent, évidemment, mais avec des gens qui sont évidemment à ton niveau. Mais il y en a des plus forts, des moins forts. Bah oui, c'est comme partout. Oui, c'est comme partout. Voici une graine. À tout niveau. Ben, j'ai bien compris. Voici une graine de champion que vous pouvez applaudir très fort, s'il vous plaît, mon cher Jacques. Vous avez un ambassadeur du bien. Non, il faut dire que tous les lauréats, d'ailleurs dans les catégories, sont tous d'office ambassadeurs du bien. Et à mon avis, celui-ci, il n'a pas fini de faire parler de lui très très loin. Ambre, restez avec lui pour une petite photo avec Jacques. Voici un de nos grands. Ah oui. Attends, on te prend le micro, t'en bouge pas. On te prend le micro, on te prend le béret. Ouais, voilà. Garde-le, on ne sait jamais. Parce que nous, des fois, on donne des cadeaux, après on les récupère. Non, c'est pas vrai. Vous applaudissez ce grand champion, s'il vous plaît. Il est fabuleux, Marc. Il est fabuleux. Mon cher Marc, rendez-vous dans quelques minutes parce qu'il va venir pour la photo finale. Dac ? Allez, c'est parti. Allez, vous applaudissez, s'il vous plaît, très fort, Marc et Ambre. D'ailleurs, qui va revenir nous voir dans quelques instants. Vous restez avec moi parce que ce sont les ambassadeurs maintenant dont nous allons parler. Une catégorie à part pour un groupe de personnes, de personnalités devrais-je dire, qui sont évidemment des fiertés pour ce territoire, mais qui au-delà d'ailleurs lui permettent de rayonner. Ces ambassadeurs, vous les avez imaginés au nom de votre engagement dans l'ADT, l'agence de promotion, de développement du tourisme sur ce territoire, avec la complicité de la Chambre de commerce industrie Pau Béarn. Patrick Cléris en est le vice-président. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Il nous rejoint. Venez, mon cher Patrick. Prenez un micro ici. Bon, je vous demande pas si vous jouez aux échecs. On va allumer votre micro par le haut. Allez-y. Quand on voit ce qu'il vient de nous dire, moi j'aurais envie d'y jouer. Oui, alors là, tout à fait. Il va nous mettre une pâtée terrible. Vous êtes là, il y a une graine d'ambassadeur de demain. On vient de voir une graine d'ambassadeur de demain. Combien il y a d'ambassadeurs maintenant dans le réseau des ambassadeurs du Béarn? Il faut parler bien près du micro. Avec Jacques, on travaille sur les ambassadeurs maintenant depuis quelques mois. On a à peu près 1000 ambassadeurs. Voilà. Qu'est-ce que c'est être ambassadeur? Mais je pense que dans la salle, vous êtes où vous serez tous ambassadeurs. Être ambassadeur, c'est parler de notre territoire, en parler d'une manière positive, avec ambition, avec conviction. Et ce qu'on voit ce soir le prouve. Et je pense qu'on a suffisamment d'atouts dans notre secteur, dans notre Béarn, pour être ambassadeur au quotidien. Et avec Jacques, Jacques travaille sur le côté touristique et nous, on travaille avec la Chambre de commerce sur le côté économique. Et je pense qu'il y a un élément qui a été relevé tout à l'heure, c'est ce qui se passe sur le bassin de lacs comme étant un élément positif pour notre territoire. On a des filières très fortes, on ne va pas les nommer ce soir, mais on a des filières à compléter et on a surtout à faire venir des talents. Et c'est ça qui est notre principal... action pour 2023, faire venir des talents en complémentarité avec l'attractivité touristique, culturelle que défend Jacques au niveau de l'ADT. Jacques, le moins que l'on peut dire, c'est que les ambassadeurs de ce territoire ont fait parler d'eux cette année sur les Champs-Élysées. On l'a vu tout à l'heure. Merci pour le clin d'œil d'ailleurs et les deux vaches béarnaises auxquelles vous êtes tant attaché, mon cher Jacques. Première ambassadrice, c'est l'année de ce territoire. Les prochains rendez-vous qui vont rythmer l'année des ambassadeurs, est-ce qu'on peut en parler d'ores et déjà? Oui. Juste avant, et pour compléter et illustrer ce que vient de dire Patrick, c'est vrai que tout ce qu'on a vu ce soir, et le public est là, je pense que c'est des ambassadeurs premium ou en devenir. Et donc, d'ailleurs, tous les nommés sont ambassadeurs de fait, vont recevoir leur tenue spéciale ambassadeur. Toutes les personnes qui ont été nommées dans toutes les catégories sont de fait ambassadeurs du Béarn, mais pour illustrer un peu les propos de c'est quoi notre ambition, elle est diverse et variée. Être ambassadeur du Béarn, et je vais commencer par des animaux et pas des êtres humains, c'est les vaches béarnaises, dont vous ne savez peut-être pas, mais les parents des vaches béarnaises qui étaient là de Pierre Nabos sont depuis 3 ans à faire l'ouverture de la cinécénie au Puy du Fou. Fallait des vaches. Le seul dresseur capable d'amener des vaches au Puy du Fou, il était béarnais, il était d'Oloron, et c'est des béarnaises qui sont au Puy du Fou. Autre clin d'œil, c'est quoi un ambassadeur? On est dans l'actualité, vous avez dû voir
Beaucoup d'entre vous ont dû voir France-Maroc l'autre soir. Si vous avez regardé et attentivement, t'as vu, vous avez vu. J'ai vu doublement parce que j'ai vu le béret et j'ai vu le béret du Grand Prix de Pau qu'on a imaginé pour cette année. Alors, j'ai vu. Un garçon dont on ne sait pas qui c'est, mais il va vite falloir qu'on le trouve, avait un béret, était coiffé d'un béret. Suivez le tweet de Kevin Estrade, journaliste à La République, vous allez vite savoir qui c'est. Voilà, avec Pau, Béarn, Pyrénées dessus, 3-4 fois. France-Maroc, vous vous rendez compte, ben, ce mec, c'est un super ambassadeur. Autre clin d'œil de c'est quoi un ambassadeur, toujours hier soir, votre collègue, Yann Barthès à la quotidienne, énumérait les événements de l'année. Dans les événements de l'année, hier soir à la quotidienne, les folies béarnaises comme événement de l'année. Et je termine en vous disant, regardez, enfin, je pense que tout le monde demain va regarder France-Argentine, qu'on va gagner 3-2, ça assurément. Et du coup, regardez. Je le note parce que demain, j'accueillerai tout le monde aux Zénith de Pau demain après-midi. Donc je le note, je m'en souviendrai. J'ai prédit à Eric Belli, il peut vous le dire, qu'on allait gagner le Maroc et qu'on serait en finale contre les Argentins. Bon, vous êtes presque aussi bon que le président de la République. Mais ça va marcher. Et tout ça pour vous dire, regardez ce match demain. Vous verrez les écrans publicitaires pour avoir une petite idée. En fait, vous connaissez bien ça, mais c'est du 380 000 euros les 20 secondes. Et il y a une pub qui tourne en boucle qui est celle du nouveau Mac Pyrénées. Non pas que je veuille faire de la pub à McDo. Rassurez-vous, je préfère la garbure ou la poule au pot. Hein. Mais en tout cas, c'est symbolique. Mais le Mac Pyrénées, regardez-le à cette heure de grande écoute. Qu'est-ce qui illustre les Pyrénées? Et je sais que Jean-Christophe de la station d'Artus est là. Le pic du Midi d'Ossau. Voilà, les ambassadeurs, c'est ça. C'est ce qu'a dit Morando tout à l'heure de l'Orchestre de Pau. C'est toutes les belles personnes qui ont participé ici. Clin d'œil à Pierre Nergararian, à Bernos, qui sont sur le bassin de lac, qui ont fait toutes ces entreprises qui arrivent ici, qui créent des emplois, qui renforcent l'attractivité du territoire. Et nous, modestement, on a envie que tout ça rayonne dans le monde entier, sur les 5 continents, parce que ce territoire est béni des dieux. Et voici les 8 ambassadeurs qui étaient nommés dans cette catégorie. Regardez. Numéro 1, une incroyable encyclopédie sur le Gave de Laurent a été réalisée par Alexis Ichas, Jean-Christophe Lalanne, l'homme qui fait bouger Artus, vous en parliez il y a quelques instants. Une ambassadrice des fromages, Moff également, Laetitia Gaboré, nommée dans cette catégorie. Michel Boucou, roi du transport de pièces de rechange sur le Dakar. Jérôme Delay et l'usine de chimie verte, Alpha Chitine. Mathieu Ladanius, pardon, ambassadeur à vélo. Julien Courdebord qui met le Béarn sur la table. Jean-François Cazot, l'âme et le cœur de la fête des bergers, dans l'ordre et dans le désordre. Vous avez tous qui s'affichent ici même. Ils méritent vos applaudissements, s'il vous plaît. Et voici celui qui a été choisi par le jury, par l'électeur. Alors, celle qui a été choisie par le jury, c'est Laetitia Gaboré. Laetitia Gaboré, ambassadrice des fromages, ambassadrice de ce territoire que vous applaudissez ici et qui va nous rejoindre. Laetitia, vous allez faire le tour, la lumière va s'allumer, vous allez rejoindre Eric Belli, s'il vous plaît, pour descendre le tapis rouge. Avant cela, mon cher Jacques Pédéronta et vous, Patrick Cléris, voici des ambassadeurs de ce territoire. Vous avez choisi ces deux voix pour illustrer cette année les périples de la caravane du Tour de France. Jérémy Laurent, deux musiciens passionnés ayant pour activité professionnelle la musique, guitariste et batteur, ou l'un ou l'autre. Depuis des années maintenant, ils se produisent partout dans les différentes fêtes de village, mais pas simplement. Ils ont été choisis, je le disais, pour rythmer la caravane du Tour de France. Et leur titre est également un titre ô combien entendu au Stade du Hameau lors de victoires, et pas que, de la section paloise. Ce sont les artistes de l'année, James et Lolo, qu'on voulait mettre en avant ce soir. Vous les applaudissez. Musique, le foiré est à vous, les garçons. Sur cette terre-là, on frissonne, c'est là, au Niada qui résonne, tous les Béarnais sont prêts à se lever, à sauter, à chanter. Vert et blanc, allez, allez, on est là, on va tout donner avec toi, section, allez. Vert et blanc, allez, allez, tous ensemble, on va tout donner avec toi, section.
l'émotion. Allez. Entre sur le tir, les drapeaux s'agitent, on tape dans les mains. Le 16e homme prêt à porter nos joueurs, vous et chanter, défendre nos couleurs. La tension monte, le souffle s'accélère. La pression est si forte, mais on garde ses nerfs. En attendant le coup de sifflet, les Béarnais sont prêts à sauter, à chanter. Vert et blanc, allez, allez, on est là, on va tout donner. Avec toi, section, allez. Vert et blanc, avec toi, section, allez. Vert et blanc, allez, allez. Tous ensemble, on va tout donner. Avec toi, section, allez. J'aime ces lolos pour clôturer l'hommage à la section paloise. Merci les garçons. Merci. Comme quoi dans ce pôle culturel, on peut entendre toutes les musiques. Hein. L'orchestre philharmonique et vous-même, les musiques de Baloche, les musiques que l'on entend à la sortie des stades qui donnent de l'ambiance à tout ce territoire. J'aime ces lolos. Merci beaucoup. Merci. Et alors maintenant, voici une meilleure envoyée de France, ambassadrice de l'année. Vous applaudissez Laetitia Gabory qui nous rejoint avec Eric Belli. Venez, je vous en prie, le tapis rouge est à vous. Et ensuite, nous découvrirons l'identité du Béarnais de l'année. Qu'est-ce qu'il faut ? Les desserts, micro. Bonsoir ma chère Laetitia, venez, venez, venez ici. Venez, le tapis rouge est pour vous. Vous auriez pu venir avec votre tenue de meilleur ouvrier de France. Parce qu'il y a oui, des, c'est vrai, j'aurais pu. Il y a une tenue, mais vous êtes absolument magnifique ce soir. Mon cher Eric, à vous. Oui, Laetitia Gabory, vous avez été désignée meilleur ouvrier de France en 2007, catégorie, comment on dit, fromager ? Fromager affineur, oui. Fromager affineur, comment est née votre vocation ? Alors déjà, bonsoir à tous. Ma vocation est assez simple, c'est depuis toute petite. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui était fromager et que bah, pendant les vacances, c'est vrai qu'on partait souvent à la montagne. Et elle notamment, est vendéenne. Hein. Non, je ne suis pas béarnaise, je suis vendéenne, alors pour le Puy du Fou. Non, ça arrive à tout le monde, même aux gens bien. Oui, ça se... Et donc, on venait souvent dans les Pyrénées en vacances. Et bah, c'est la rencontre avec des producteurs qui m'a donné cette passion pour ce fromage. Et du coup, après, j'ai fait des études. Donc, j'ai appris à fabriquer le fromage. J'ai fait un premier BTS, ensuite un deuxième pour la partie commerce. Et puis après, j'ai toujours travaillé dans le fromage à fond. Et donc, aujourd'hui, vous ne fabriquez plus vraiment. Quelle est votre activité au quotidien ? Alors, aujourd'hui, en fait, j'ai ma société. Donc, je fais du conseil, de la formation et de l'événementiel en France et aussi à l'étranger. Et donc, je parle aussi des fromages béarnais en France et à l'étranger, je n'oublie pas, parce que pour moi, je suis attachée au Béarn. Enfin, maintenant, ça fait maintenant 15 ans que je suis ici. Et c'est une région. À Luc que de Béarn, c'est ça ? Oui, à Luc de Béarn, tout à fait. À Luc de Béarn, donc on y est bien. Petit village vraiment béarnais, typique. Et puis, oui, non, on y est bien avec dans le Béarn. Une belle vue sur les Pyrénées. Avec une très belle vue, oui. Les fromages béarnais, qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, de si spéciaux ? Quand vous en parlez avec quel qualificatif ?
Alors, fromage Bernais, en fait, c'est une passion des hommes et des femmes. Déjà, c'est vraiment lié à leur terroir. Donc là, aux animaux aussi, qui sont nous, on va parler de la race basco-bernaise, pour les fromages de brebis. Et puis, c'est tous ces hommes et ces femmes qui sont dans les vallées, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans ces belles vallées béarnaises, et puis qui mettent ce fromage aussi à l'honneur, qui le fabriquent au quotidien. Il y a beaucoup de familles. Il y a souvent les enfants aussi qui reprennent. Donc là, c'est un message qu'il faut vraiment leur dire, c'est de reprendre et puis de continuer à fabriquer ces bons fromages bernais. Et bon, j'ai quelques familles avec qui je suis très attachée. Donc voilà. Et elles seront très fières en tout cas de ce trophée qui vous est remis avec des applaudissements. La CCI, l'ADT. Et puis les deux Éric. Oui. Le fromage du pays, le fromage du Béarn, à Luc de Béarn, conjugué avec du Jurançon. Mais alors c'est là, top. C'est à tomber. C'est le conseil des fêtes, c'est la suggestion des fêtes. Applaudissements, s'il vous plaît, merci beaucoup. Allez, trophée, vous n'allez pas partir très loin les uns les autres, parce que j'ai demandé à tous les différents lauréats dans les catégories de commencer à nous rejoindre. Vous connaissez maintenant le chemin, vous l'avez emprunté tout à l'heure. On va réallumer le petit faisceau pour que chacun puisse nous rejoindre pour la photo de famille qui aura lieu dans quelques minutes, lorsque nous découvrirons l'identité du Béarnais de l'année. Approchez-vous un tout petit peu. Faites un mini défilé, avancez-vous un tout petit peu pour les photos de Jean-Philippe Jeunet qui suit cette soirée. Applaudissements pour Laetitia et nous accueillons Bruno Pouyanne pour la dernière catégorie, la catégorie reine des Béarnais de l'année, du Béarnais de l'année. Vous l'applaudissez, Bruno Pouyanne qui nous rejoint. Venez mon cher Bruno, je vais récupérer un micro. Jacques, je vais récupérer un micro. Hop là. Parce qu'il est temps maintenant mon cher Bruno d'aller vers le centre de la scène et de découvrir dans quelques instants l'identité du Béarnais de l'année, parrainé par la Banque Pouyanne, un nouveau visage pour cette banque familiale, qui fait partie des exceptions françaises dans le domaine bancaire. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Alors dans la famille Pouyanne, après évidemment le papa, évidemment, il y a eu David Pouyanne, Christian. Et puis derrière, il y a un dernier qui arrive, Bruno. J'avais jamais fait attention à quel point vous aviez les voix similaires avec Christian. Non. Au niveau de la voix, non. Rien. Qu'est-ce qui fait la définition de la Banque Pouyanne dont vous assurez maintenant la direction générale? La définition de la Banque Pouyanne, c'est que d'abord, c'est nos racines. On est une famille béarnaise. Même si mon arrière-grand-père est parti et né ailleurs, il est revenu dans son pays. Il a créé la banque ici et c'est une banque qui est au service de son territoire. Donc c'est pas que le Béarn d'ailleurs, c'est aussi le Pays Basque et les Landes et la Bigorre. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'être au service de notre territoire, d'accompagner tous les acteurs économiques et tous les gens dans tous les projets qu'ils peuvent avoir. Avec une soirée comme on l'a vu là, il y a de quoi faire. Voilà. Les talents sont partout en Béarn, dans tous les domaines. On parlait de l'industrie tout à l'heure, de l'économie, le petit commerce. Ça fait partie de l'ADN de la banque depuis des années. Et puis cette attention particulière aux projets qui sont parfois des projets qui nécessitent un regard vraiment spécifique, presque amoureux, j'ai presque envie. Alors raisonnable, bien sûr, mais aussi passionné. C'est-à-dire que, en fait, la particularité de la Banque Pouyanne, c'est que ce n'est pas dirigé par des banquiers. En fait, on a une famille d'entrepreneurs. Et paradoxalement, ça marche bien quand ce n'est pas forcément dirigé que par des banquiers. C'est aussi dirigé par des gens qui connaissent ce qu'est une entreprise. Donc, effectivement, on est capable d'accompagner les entreprises. On a, par exemple, ici, Alpha Kittin, qui faisait partie des nominés dans la catégorie, je ne sais plus quelle catégorie. Mais qu'effectivement, on a aidé à démarrer en construisant son bâtiment, en trouvant des actionnaires qui l'aident à démarrer. Et c'est vraiment ça le rôle de la banque, c'est d'aider des gens qui viennent s'implanter, qui viennent développer le Béarn, développer l'économie ici, pour qu'on y vive bien. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'on dit, tout le monde ici sur le plateau, mais on est bien en Béarn, on a tous les atouts pour ça. Et voilà, soyons tous ambassadeurs du Béarn. Soyons tous ambassadeurs, comme d'ailleurs l'ensemble des différents finalistes dans cette catégorie. La bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont déjà franchi l'étape des loges, du tapis rouge, c'est qu'ils ont déjà un prix. Par contre, la mauvaise nouvelle pour eux, contrairement aux autres, c'est qu'ils ne sont plus en compétition dans cette dernière catégorie des Béarnais de l'année. Voici pour la dernière fois le visage de l'ensemble de celles et ceux que vous avez choisis, et la majorité sont ici dans cette salle. Regardez, suspense. C'est parmi l'ensemble de ces portraits qu'avec Nicolas Robière, qui dirige la rédaction de Pyrénées-Presse, nous allons dans quelques instants, avec lesquels nous allons dans quelques instants officier
Vous les connaissez bien pour la plupart, mon cher Bruno Pouyanne, vous qui succédez en effet à Christian Pouyanne. Depuis plus de 100 ans, vous accompagnez tant de projets, tant de défis, comme ceux qui ont été par les uns et par les autres relevés avec brio. Alors, bien sûr, certains se sont illustrés dans le domaine de la solidarité, dans l'autre, dans la créativité, parfois dans les résultats sportifs. D'ailleurs, au fil des ans, on a eu beaucoup de résultats sportifs qui ont été récompensés, de sportifs qui ont été récompensés dans ce trophée des Béarnais de l'année. Certains ont été également des anonymes pour qui les accidents de la vie ont fait qu'ils se sont révélés. D'autres s'illustrent depuis des années avec beaucoup de passion dans des engagements associatifs. Il y a un nom dans cette enveloppe. Ce nom, il représentera le Béarn dans les semaines à venir. Mais surtout, il représente un certain esprit béarnais que ce soir, à travers de cette soirée, nous voulions mettre à l'honneur. Voici l'identité de la Béarnaise ou du Béarnais l'année, sachant qu'ensuite, je demanderai à tous les lauréats de me rejoindre sur scène et qu'ensuite, il y aura le concert surprise événement avec une partie de la troupe de Star 80 qui nous rejoindra ici même. Donc restez bien là, on va continuer à faire la fête, c'est un truc cadeau de fête de fin d'année. Le Béarnais de l'année, la Béarnaise de l'année et... Johnny la campagne. Policier municipal d'Escar, serial sauveur, c'est l'année. Qui est donc élu ce soir, Béarnais de l'année, qui va nous rejoindre depuis la salle. Venez directement. Venez mon cher Johnny, directement depuis la salle. Venez sur scène, nous rejoindre. C'est un parcours qui cette année, évidemment, mérite le coup de projecteur, mais pas que cette année, mon cher Nicolas. Alors oui, pas que cette année. D'abord, c'est pas moi, je vous préviens. Non, ça a bien compris. Est-ce qu'il est là ? Il s'est distingué à deux reprises. Pour des sauvetages, on est en train de le voir là. Ouais, il arrive. Il va nous l'expliquer, mais en fait, deux fois il a été dans le journal, même plusieurs fois, mais à deux coups sur coup, c'est pour ça qu'on l'appelait le serial sauveur. Il est intervenu en tant que policier municipal, il a sauvé des gens, et c'est pour ça qu'on est ravis de l'avoir ici. Je sais que, et Eric peut venir, Eric Belli, je pense aussi. Vous applaudissez Johnny, voilà, accompagne alors, son petit bout de chou qui n'a pas résisté à la longueur de la soirée. Je vous préviens, nous, on n'a qu'un objectif, finir avant Foucault et Miss France. Donc, alors, allez-y. Ben bravo. Il faut que je vous donne le micro. Oui, non, non, on va lui donner un micro. Okay, attends. Non, ça y est. Voilà. Allez, vous pouvez nous expliquer, deux fois vous êtes passé dans le journal. C'est ça, racontez. Alors, il ne faut pas parler trop fort. Il ne faut pas parler trop fort, on va le réveiller. Bonsoir à tous. Il s'appelle comment ? Iban. Bon, Iban, il dort un peu. Il dort bien. Hein. Je lui avais promis qu'il monterait sur scène si jamais. Ah bah oui. C'était moi le résolu. Il restera les images. Les paroles volent l'homme, l'homme ne voit rien. Alors. Ouais. Attends, on a même une caméra derrière. Regardez, hop, on voit son petit sourire ici. On voit son sourire à l'écran. Vous officiez à l'Escar, c'est ça ? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année en particulier ? Je crois que vous êtes illustré deux fois et de façon pour chacune des fois. Hein. Assez incroyable d'ailleurs, dans les faits. Alors pour reprendre depuis le début, en fait, je suis arrivé en police municipale à l'Escar le 12 avril 2021. Et le 29 avril, j'ai sauvé la vie d'un septuagénaire qui était atteint de la maladie d'Alzheimer et qui était en pleine crise, avait quitté le domicile en pyjama et pieds nus et s'était perdu dans les bois. Et je l'ai retrouvé en fait enlisé dans la boue en état d'hypothermie. Donc je l'ai ramené jusqu'au... Voilà. Et après, cette année... Et après, j'ai sauvé la vie d'une femme qui s'était immergée dans la rivière, donc pour une tentative de suicide. Et donc avec ma collègue, avec qui je patrouillais à l'époque, on est rentré dans la rivière pour lui porter secours et lui porter assistance. Et cette année, c'est une personne qui avait également tenté de se suicider aux abords d'une crèche avec une bouteille de gaz de 13 kilos. Qui était dans son véhicule. Oui, qui était dans son véhicule. Et en fait, c'est en arrivant sur place que j'ai constaté l'odeur aux abords. J'ai de suite pensé à l'usine de Lac. Oui, ça arrive ici. Oui. Ça peut arriver, ça arrive moins. Mais... Et en fait, en voyant la bouteille de gaz complètement recouverte de givre, j'ai compris qu'en fait, c'était autre chose et que c'était bien plus grave. Ces actes, pardon, vous les accomplissez dans l'exercice de vos fonctions. Je profite pour dire que votre supérieur et même le maire de l'Escar est présent parmi nous dans la salle. Sont vos supérieurs ? Oui. C'est ça ? Ils sont présents ? Alors, oui, ils sont présents. Une petite question. Vous faites exprès ? Vous attendez ? Mais que cela ne vous empêche pas de parler. Hein, pardon ? Non, je lui dis que ça ne vous empêche pas de parler.
Non, 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 mais je suis très heureux qu'ils sont là. Je ne savais pas. Oui, ça se voit. Ça se voit. Et là, on se dit, comment est-ce qu'on va le sauver de cette situation? Donc, allez-y, Nicolas, pardon. Oui, je dis comment vous faites? Vous faites exprès ou quoi de vous retrouver dans des situations assez rocambolesques? Non, j'ai beaucoup de chance, la chance d'être au bon endroit au bon moment, pas forcément pour moi, parce que déjà, le fait de vivre ça, c'est... Salut, Iban. Alors, vous n'avez pas sauvé le sommeil d'Iban? Non, non. Si, si, il arrive à sauver le sommeil d'Iban. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un spectacle de Mesmer. Vous savez, il se réveille, ploum. Vivre ça en tant que policier, c'est magique, mais également par rapport aux familles, à la personne en elle-même, mais aux familles, c'est magnifique. Et je voudrais juste ajouter qu'on a déjà parlé de Johnny Lacompagne dans cette soirée, en fait, au moment où on a évoqué la solidarité béarnaise pour l'Ukraine, parce qu'il était ce fameux policier municipal qui est parti avec le prénommé Vitali chercher des membres de sa famille en Pologne. Et je crois que vous lui avez dit « je pars avec vous », il cherchait un chauffeur. Vous lui avez dit « je pars avec vous » alors que vous le connaissiez depuis quelques heures à peine. En fait, j'étais de poste, c'était un matin de mars vers 9h, et il se présente avec son épouse, je ne le connaissais pas. Et il me fait part en fait de difficultés qu'il rencontre, surtout administratives, par rapport aux membres de sa famille, 5 personnes qui étaient en Ukraine et qui devaient en fait repasser la frontière avec la Pologne. Et donc je lui dis que j'allais me renseigner, lui apporter les réponses rapidement. Et en fait, au fil de la discussion, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un élan de solidarité autour de lui pour amener des vivres à Cracovie, mais qu'en fait il était tout seul pour y aller et que sans une autre personne, il ne pouvait pas mettre à bien son aventure. Et en fait, moi, j'ai été touché, j'avais envie aussi de participer à cet élan de solidarité, et pour moi, c'était normal de l'aider. Alors, pour l'aider, j'ai appelé ma femme, oui, que je salue, que j'aime énormément, et qui a gardé nos 3 enfants. Et, contrairement à ce soir. et je l'ai suivi jusqu'à Cracovie, donc on a échangé les voitures, enfin, le volant, et 27 heures aller, 28 heures retour. Ce qui est à peu près la longueur de cette soirée. Donc on va vous applaudir très fort. Bravo et félicitations. Bravo, bravo à vous. Merci beaucoup. Bravo. Il est formidable. Iban se réveille. Attends. Hé, petit gars. Papa, c'est le Bernie de l'année. Oui, tu t'en fous, j'ai bien compris. Il vaut mieux dormir. C'est un garçon formidable, en tout cas, qui est ici même et qui représente ce que sont, Nicolas, les héros du quotidien qui, quelque part, sont le fil rouge de cette soirée. Voilà, écoutez, vous les avez tous vus. Là, on va se quitter en musique, je crois. Oui, c'est pas fini, loin d'être fini. Oui, ouais, c'est pas fini. Mais c'est vraiment, voilà, tout ce symbole, ce sont des gens qui ne sont pas forcément des gens très connus. Ce que je disais tout à l'heure quand on parlait avec Michel Golia, quoi. Il y a des gens qui, certes, sont dans le journal quand ils naissent et puis quand ils meurent. Et puis, il y a les gens qui sortent du lot, mine de rien, qui ne sont pas forcément connus partout dans le monde, mais qui, ici, localement, font des choses. Vous les voyez, on les suit avec vous chaque jour dans le journal, sur notre site. C'est un peu notre job, finalement, que de suivre ces Béarnais, dans leur destin, dans leur parcours. On est ravis vraiment de cette soirée-là et de ces gens qu'on met en avant, parce que je crois qu'ils méritent. Je ne crois pas me tromper en disant qu'ils le méritent tous. Et ils vont tous nous rejoindre sur scène autour de Johnny Lacompagne. Mon cher Bruno, il vous revient de lui remettre, vous lui remettrez après ce magnifique trophée. Je vais juste lui reprendre les mots qu'il vient de me dire. Il était fier de recevoir parce qu'il avait fait le bien. Et ben, je le remercie. Vous applaudissez, s'il vous plaît, notre Béarnais de l'année, alors que l'ensemble des lauréats vont nous rejoindre ici sur scène. Venez, venez, chers amis. Je pense qu'il y a une petite diapositive qui va accompagner votre venue sur les marches pour une photo de groupe avant qu'on accueille nos invités artistiques de la soirée. Donc vous ne bougez pas parce qu'il nous reste encore un long moment à partager ensemble. C'est une fête offerte aux lecteurs de la République des Pyrénées, celles et ceux qui sont dans la salle, celles et ceux qui nous suivent à distance. Venez, 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 chers amis. Venez sur scène, les lauréats. J'aimerais que leur diapositive apparaisse, que leur nom apparaisse à l'écran, s'il vous plaît. Alors que notre champion d'échecs, viens Marc, venez, venez tous. Voici les palmarès de ces Béarnais de l'année. Applaudissez-les, s'il vous plaît, les uns les autres. Venez, venez, on va laisser dérouler la musique. Venez, venez, venez. L'ensemble du palmarès va venir ici sur scène pour une photo de groupe, celles et ceux que vous avez choisis, pour qui vous avez voté, que vous avez supporté. Merci aux membres du jury. Vous êtes tous là.
Axel est là, notre champion est là, le Nibernais évidemment, les sœurs d'encre qui se sont illustrées, Amanda évidemment qui on pense à distance, Axel je le citais tout à l'heure qui a planté ses armes, Michel Goya qui nous suit également à distance évidemment, le Nibernais je le citais il y a quelques instants, Marc est là évidemment, notre champion du monde, j'ai bien compris, notre champion du monde Laetitia est évidemment là et Johnny, quel beau palmarès, vous applaudissez les Bernais de l'année s'il vous plaît. Merci à toute l'équipe de la République des Pyrénées, de l'Éclair, à ceux qui ont fait vivre cette soirée, mon cher Nicolas également, en live tweet, à nos équipes de Créasud qui produisent également cette soirée. Vous n'avez pas, mon cher Bruno, et vous tous, mon cher Bruno, non, je pense à Bruno Robali qui est alité, ouais, l'absus non, lui, ouais, non révélateur. Il est au bord d'être 40 degrés, donc voilà. Voilà, mais il va bien, à part ça, il va survivre. Mon cher Nicolas, vous n'avez pas mis votre petit gilet à paillettes pour rien. Non. Parce que maintenant, on va remonter. Je ne danse pas. Attention. Je n'allais pas vous inviter, croyez-moi. Donc, on va remonter maintenant le temps. On va revenir dans la folie des années 80. C'est notre petit cadeau des fêtes de fin d'année. Christiane Obidol, c'est une des voix ô combien connues de Zouk Machine. Elle a fait danser la planète entière. Elle va être présente sur scène, tout comme elle le sera le 17 mars prochain pour la venue de Star 80 encore au Zénith de Pau. Jean-Pierre Madère va nous rejoindre une nouvelle fois pour clôturer cette soirée. On compte sur vous pour faire du bruit. Je vous souhaite de très, très, très belle fête de fin d'année. Et encore une fois, bravo à l'ensemble de ces Béarnaises, de ces Béarnais. Bravo à vous. Vous êtes formidables. Salut et à demain au Zénith pour la finale. Musique, Christiane, venez nous rejoindre, Christiane, avec votre tout nouveau single. Venez, venez, nous, on va vous faire de la place. Est-ce qu'elle est, elle est... Venez, venez, Christiane. Venez où, Jean-Pierre? Dans quel ordre? On m'appelle. Mais oui, on vous appelle, Christiane. Mais on m'appelle. Mais venez. Un visage emblématique des années 80, avec la musique dans la peau, mais pas que. Et elle continue à vivre de sa passion de la musique, à faire vivre sa passion tomber, de la musique. Bien. Et... Merci d'être là. Merci à vous, merci. Alors, petit cadeau, je crois qu'il y a un petit titre qui est un tout nouveau titre. Tout à fait, sur mon nouvel album qui est sorti il y a 4 mois. Donc, c'est un privilège. Allez, pour exactement. Vous. Et ensuite, on enchaînera. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, vous n'avez pas envie de vous dégourdir un peu les jambes? Parce que ça fait un moment que vous êtes assis, hein. On est d'accord? Je vais vous demander de vous lever. Ça va durer 5 minutes. On va essayer de danser, de zouker, parce que zouker assis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Alors voyons si vous êtes capable de faire zouker tout le foirail. On va tenter. Attends. J'ai parié avec Jean-Pierre Madère. Hein. Ne me faites pas honte, ne me faites pas perdre, surtout. Ah, vous êtes beau quand vous êtes debout. C'est génial. On va essayer de danser. On va essayer de bouger le popotin. Non, mais les Palois, vous êtes là ou pas? Ah, vous m'avez fait peur. On y va? On y va? Allez, musique! Quand vous voulez. Ça, c'est le premier enfoiré. Chantez, dansez, avec. Chémé, 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 et tu as tous les wow, t'as plus dit des personnes pour faire voyager. Machine à réviser. Et ma vie, qu'est-ce qui casse? Bon, le type qu'a tombé. Peut-être qu'à tourner. Ooh.
attention. Car on est, tout le monde la met comme ça. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Chantez, on fait ça. Vite, pour nous danser. Bougez les pieds, pour nous danser. Bougez les pieds, pour nous danser. Bougez les pieds, pour nous danser. Bougez. Machine à fond, et là des pièces qui cassent. Bon, le jean qu'a tombé. Bouteille à qu'a tourné. Machine à qu'a roulé. Et là le temps qui passe. Toujours qu'a fonctionné. Ou pas autant d'y bouger. On commence. Les filles pour nous danser. Merci beaucoup. Ne vous rasseyez pas, ne vous rasseyez pas. Est-ce que vous avez la musique dans la peau? Mais non, les Palois. Est-ce que vous avez la musique dans la peau? C'est parti, DJ! Monsieur Bobo, pour pas comprendre, bibi, si on crie. Non, 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 si toutes les mains en fournant vont attendre où on joue, qu'il n'y mal. On a vous chanter, on y va. Ouais, c'est ça. Râleur, pas en manger, parlons-nous. Et pour fond, en café, en chantant. Casseillé, monsieur Bobo, maman des bibirites, des commandeurs. Même si on fait un petit solo, tout ça, je fais toujours vous. Dans la peau, mets-moi comme ça, et mi-mal en,
Applaudissements, s'il vous plaît. Merci, merci, merci beaucoup. Et Jean-Pierre. On appelle Jean-Pierre Madère. Mais oui. On l'appelle ensemble Jean-Pierre, 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 Jean-Pierre. Yeah, yeah, yeah. La musique dans la peau. Jean-Pierre Madère nous rejoint. Applaudissez-le. Merci, c'est adorable. Il manque un petit... Merci, Eric. Il manque une petite chanson bien connue du répertoire. Même plusieurs. Une. Allez. Ça s'appelle Macumba. Allez, je vais voir tout le monde debout. Yeah. 1, 2, 3, 4. Allez. Hey. Je vous vois mieux. Sans bagage, comme échoué d'un naufrage, dans les cales de cargo, elle a quitté son île pour un monde nouveau, loin des bidonvilles. Allez, c'est à vous, hey, au Macumba. Elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh Macumba, Macumba. Elle danse tous les soirs pour des marins largués qui cherchent la bagarre. Oh Macumba. Allez, je vais voir toutes les se lever, tout le monde. Prêt. Oh. Ouh, yeah, yeah, yeah. Force d'attendre, elle s'invente des rêves tendres, les verres de tequila réchauffent sa mémoire, de ses mots d'autrefois brûlant comme l'espoir. Il faut le béard avec nous au Macumba. Elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à voir. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs pour des marins largués qui cherchent la bagarre. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs au rythme des salsas, aux accords des guitares. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs et elle offre sa nuit contre quelques dollars. Oh Macumba, Macumba. Vous êtes toujours là? Oui. Allez, ça va être à vous. Yeah, oh. Yeah, oh. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs. Merci beaucoup. Un dernier petit cadeau pour la route. Moi, je crois c'est Noël. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On va faire la tournée ensemble. C'est la première fois qu'elle fait la tournée de Star 80. Et je trouve qu'elle va amener un côté caribéen, quelque chose d'un peu particulier. Et je m'étais dit que ça serait bien de finir par une chanson de quelqu'un qui a influencé toute la génération des années 80. Si je vous dis La Javanaise, je t'aime moi non plus. Une chanson de Serge Gainsbourg, toute simple, pour chanter avec vous,
avec Christiane qui va venir de Zouk Machine. Viens, Christiane. Et ça s'appelle Merci. Couleur Café. Café. Yes. Allez, on y va. Mais il la chante avec nous, hein. Ah oui, faut. Ah bah oui. Vous êtes prêts? Oh, c'est bon. Hey. Allez, on bouge le popotin, là. On y va. Allez, c'est à vous. Couleur Café, que j'aime ta couleur café. J'aime ta couleur café. Uh-huh. Tes cheveux café. Merci. Ta gorge café. Oh. J'aime quand pour moi tu danses. Alors j'entends murmurer. Uh-huh. Tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Allez là-bas à droite, tout le monde. Couleur. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, mais non, rien qu'à m'exciter, mais non, ce soir la nuit sera blanche. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Allez, la gauche là-bas pour moi. Couleur, la gauche moyen pour hein. Que j'aime ta couleur café. L'amour sans philosopher, uh-huh. C'est comme le café. C'est vrai. Trop vite passé. Oh. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café. Uh-huh. Et c'est terminé. Hey. Pour tout oublier. C'est vrai. On attend que ça se tasse. Couleur. Allez, le centre, c'est très beau ça. Couleur café. Ah ouais, le centre c'est bien, oui. Que j'aime ta couleur café. Une dernière fois, tout le monde. Couleur café. Que j'aime ta couleur café. Merci beaucoup. Mille merci. Merci Eric. Et rendez-vous au Zénith le 17 mars. Et c'était les Bernets voilà, l'année. Voilà, 17 mars, rendez-vous au Zénith de Pau. Voilà, et on sera le 18 à Toulouse, à Toulouse pour les plus courageux qui veulent prendre la route le lendemain. Merci beaucoup. Allez, très bonne fête de fin d'année. Salut.